Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième épisode d'Instinct Fondateur déjà. J'ai reçu cette semaine un de mes bons amis, Isaac Lawson, un ancien joueur de football pour l'équipe du Vert et Or, situé à Sherbrooke. Il est présentement directeur des opérations au Chelsea Pub, euh, situé en Outaouais. Et puis cette semaine, c'était un gros épisode d'une heure quarante. On a parlé de son parcours scolaire, son parcours sportif et puis de son parcours en affaires. Par contre, rendu à 50 minutes de l'épisode, j'ai eu une erreur technique et une des deux caméras qui m'a lâché. Donc, pendant environ 15 minutes, on entend Isaac parler, mais c'est seulement moi qui ai filmé. Euh, c'est pas si pire sur un épisode de 1h40. Par contre, je tenais quand même à vous le préciser. Je suis super content d'avoir fait ça avec Isaac. C'est un de mes bons amis. Et puis, euh, c'est vraiment intéressant son parcours. Euh, fait, donc, euh, je vous invite à écouter l'épisode au complet. In All right, salut Zach. Salut Pascal. L'homme le, le, le plus occupé de l'Outaouais. Yes, Et moi ça. <laughs> All right. Fait que là, euh, dis-moi si je me trompe, tu es directeur général du Chelsea Pub. Ouais, des opérations du Chelsea Pub. OK. Puis euh, ça fait combien de temps? Ça va faire, euh, ça fait pas un an encore. Je suis rentré là en mai. Euh, ça va faire un an et demi dans le fond que je suis au pub. Ok. <coughs> je suis rentré comme gérant, barman. Puis euh, finalement, il y a une opportunité qui s'est ouverte à moi parce que euh, il y a, avec la compagnie de gestion qui s'appelle le Chelsea Square, mm -hmm. qui est euh, plus gros que juste le pub c'est comme euh, un Corée, dans le fond, à Chelsea, oh ouais. qui, qui se développe présentement qui appartient à un de business là-bas. C'est quoi les entreprises à part le Chelsea Pub? Il y a le Biscotti, okay. qui est un autre restaurant, plus euh, café, euh, euh, Vienno viennoiserie, pâtisserie. Euh, puis euh, il y a le Chelsea Pub, évidemment. Euh, puis il y a plein de plans qui s'en viennent. Le, en ce moment, il y a les Lofts du Village, qui est comme euh, Airbnb euh, et... Euh, Hôtel aussi. Quand j'ai passé par là pour aller à Val-d'Or, j'ai vu aussi qu'il y avait une grue. Là. Je ne sais pas si vous êtes en construction. Ah, oui, mais ça, c'est pas nous, par exemple. Okay. Alors, nous, Les travaux pour l'instant sont terminés. Euh, y a, on a d'autres travaux qui s'avènent, mais ça a été reporté à cause du, de la situation présentement. Oh. Mais <coughs> le building blanc à côté du pub, euh, ça appartient au square aussi. En ce moment, il y a une boutique et une boulangerie. Okay. Ça, ça s'en va à terre. Il va y avoir. Euh, euh, on, a, on appelle ça la petite grosserie. Okay. Euh, premier étage, ça va être euh, épicerie en vrac avec tous des produits locaux. OK, cool. Puis euh, il va y avoir deux étages d'hôtel par-dessus. OK. Puis ça va être euh, style rustique, là, un peu comme le pub, là, ça va fitter dans le décor. Puis où la maison blanche que nous on appelle qui est en arrière, mm -hmm. euh, ce qui est entre le biscottier et le pub. Euh, en ce moment, c'est les bureaux administratifs, mais ça, ça s'en va à terre aussi. On va avoir. Euh, une distillerie qui s'en va. Oh, là. yeah! Ouais. C'est bien cool, ça. Qu'est-ce que vous allez faire comme euh, alcool, c'est ça? Vodka et gin. Yes. Je suis en train de suivre toutes les formations en ce moment là-dessus. Ah de, ouais? De, ouais? Pour euh, tout ce qui est euh, distillerie, euh, alcool, tout ça. C'est vraiment intéressant, c'est cool. All right. Fait qu'on se prépare pour ça. Puis nos bureaux vont probablement être dans ce building-là aussi. C'est qui qui pousse euh, la, la façon de faire de l'alcool? C'est qui qui va créer euh, le produit? Euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. <laughs> okay, right, je, bon. sais, je sais juste que certaines décisions ont été prises par où qu'on s'en allait, par, okay. avec la propriétaire, tout ça, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir. Mm -hmm. Puis elle euh, est en train de, de, de pousser le projet pour que ça En tout cas, il y a beaucoup d'étapes avant de se rendre jusque-là. Oui. Fait que euh, c'est ça. All right. le temps de se rendre là. Euh, ben, je sais juste pour l'instant, ça s'en vient. Ouais. Euh, on est rendu. De, euh, à cette étape-là du projet, là. il reste à, à construire. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à détruire l'autre bâtiment, on va le faire venir, on va détruire les deux. Il faut reconstruire ça d'un coup, puis euh, avancer de là. <coughs> All Puis avant d'être euh, au Chelsea pas, ben, tu as une carrière aussi sportive. Oui. Parle-moi un peu, avant de, de, de parler de ça, on va parler un peu de ton... Euh, euh, ton expérience scolaire. Après ça, on va y aller avec le professionnel et le sport. Sure. Parle-moi un peu de... C'est quoi les écoles que t'as faites? C'est quoi les, les, les formations que t'as faites? Euh, mettons qu'on part avec le cégep. J'ai fait une technique en gestion de commerce okay. au cégep de mm -hmm. euh, Avec lequel j'ai f... fait mon stage avec toi, d'ailleurs, à Val-d'Or dans yes. tant que gérais à tous les bords là-bas. Oui. Euh, après ça, <coughs> je suis allé... En fait, c'est du sport qui m'a emmené là, mais je suis allé à l'Université de Sherbrooke mm -hmm. pour faire mon bac puis, excuse-moi, je même pas nommé. C'est dans quel sport que. que c'est quoi tu faisais? Ah, je jouais au football. Ok. Ouais. Football, là, par de sa tête, là, je suis tombé en amour au bout avec le sport. Puis, c'est ça qui m'a poussé. En fait, ce si n'était pas du foot. J'ai oublié l'école. j'aurais ouais. pas de bac, j'aurais pas de deck. C'est vraiment ce qui m'a poussé. À... C'est le bonbon, mettons. Parce que c'est le fun avec le foot, c'est relié avec l'école. Fait que si moi, vraiment, tu veux jouer à un haut niveau, tu n'as pas le choix de performer autant au niveau scolaire que sur le terrain. Fait que... ouais. Comme que je me débrouillais pas plus sur le terrain, mais si je voulais continuer à pouvoir avoir la chance de me débrouiller pas plus sur le terrain, fait que je passe mes cours. Ouais, exact. All ouais. so, là, tu as, as fait ton, euh, ton cégep, puis euh, ton bac. Ouais, après ça, fait quand j'ai fini ma technique, je suis allé. Euh, ben, au début, ça a été un processus, là, choisir l'université avec le recrutement et tout ça. J'ai fini par signer à l'université de Sherbrooke. Okay. Puis euh, l'administration, c'est ce, ce que j'aimais beaucoup. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai signé là-bas. <coughs> puis, après une coupe de, de sessions, à un moment il faut que tu choisisses ta branche. Puis, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup les finances. Fait que j'ai continué euh, dans cette branche-là pour finir avec un bac en finances. Fait que euh, ça, c'est pas mal. Puis, ah. le scolaire, c'est assez. Là, de... okay, ouais. <laughs> puis, euh, côté professionnel, je sais que, ben premièrement, tu as commencé euh, au bar-shooter de Val d'Or, ouais. puis au V puis aussi euh, même as, avant ça j'ai travaillé au soto je pense Oui, au bon, j'ai travaillé au, au soto night club à maison night club euh, j'ai fait beaucoup d'événements aussi euh, escapade riverside tu étais dans le monde euh, euh, je te dirais d'hôtellerie pas mal euh, tout le temps tu as travaillé Oui, c'est vraiment ce c'est vraiment ce que j'aimais puis c'est là que que j'aimais autant passer mes soirées que travailler, fait que oh ouais. euh, je voyais pas le temps passer là-bas. Mais en même... fait, au début, je commençais plus, tu sais, en bas de l'échelle, le boss boy, euh, faites mes preuves de ce côté-là. Mm -hmm. Puis après ça, j'ai eu la chance d à la Val d'Or que toi tu m'as montré comment euh, flipper une bouteille, servir un verre, yes. tout ce côté-là, tout le ce good stuff-là. Fait que yes. après ça, ça m'a permis. J'ai pris ce bagage-là pour ensuite amener ça... Euh, au prochain niveau, ben j'étais vraiment plus bord avant, surtout ouais. avant de, de te rencontrer, puis euh, à Val-d'Or, je veux dire, ouais. tout ça. Après ça, j'ai j'ai rendu à Sherbrooke, j'ai switché à la restauration. Ouais. À cause de là, j'étais rendu un étudiant-athlète, je pouvais plus me permettre de rentrer à 3-4 heures du matin et tout ça. Fait que euh, entendre les oiseaux chanter, là, ça, c'était du passé. Il fallait que ah, je ouais. change à autre chose. <laughs> fait que j'ai appris tout le côté service, service au tables. Euh, C'est là que j'ai réalisé que c'était un autre monde aussi, mm -hmm. Euh, être en arrêt d'un bar et faire un service complet à euh, plusieurs tables. Mm -hmm. euh, J'étais poche au début, man. ça n'allait pas bien. La seule raison pour qu'elle elle m'a pris en plus, parce que je savais comment tenir mon cabaret à cause que j'avais été serveur yes. au shooter. Les bases. Oui, exactement. Elle m'a fait une coupe de petits tests, tu as vu que je me débrouillais pas pire. Okay. C'est là qu'elle m'a pris, qu'elle m'a formé pour devenir serveur. Puis ça, ça m'a vraiment sauvé l'université pour être capable de venir à bout. Oh, ouais. Parce que oui, on a des bourses, oui, on… Euh, on avait de l'aide, mais. On avait là, comme 40 heures de foot par semaine en saison et hors saison. Je veux dire, l'entraînement, euh, tout ce qui est relié, au, tout ce qui tourne autour de ça, à plus d'aller à l'école, d'aller à l'université, à plus de, 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 de venir à bout, tu oh, payer ouais. mon loyer, payer de mes choses. C'est sûr que Sherbrooke, c'est une ville étudiante, il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là, mais ça n'a pas été facile. Je dirais que la restauration, ça m'a sorti du du, du, du patrin, ça m'a permis de, de venir à bout. Là. All right. Fait que là, t'as fait euh, ton cégep, ton bac à Sherbrooke. <coughs> ouais. Puis, euh, euh, parle-moi un peu de ton sport. Là, tu m'as dit que as fait du sport euh, ben, quand même universitaire pour le verre et mais ton début dans le sport, c'était quoi? Euh, j'ai commencé au secondaire jouais mm -hmm. euh, jouer au football, jouer civil au début, parce que j'allais adversaire avec toi. Yes. Puis, il euh, n'y avait pas d'équipe de foot dans le temps. <coughs> fait que, finalement, j'ai fait un tournoi qui s'appelle... Euh, le euh, Challenge Wilson qui est okay. à Montréal. J'ai mm -hmm. participé. J'ai fait l'équipe euh, sélection Ottawa qui était pour aller jouer à ce tournoi-là. Puis dès là, je me suis fait voir par une école secondaire. Fait que j'ai changé d'école pour pouvoir aller jouer au foot à, à Montbleu dans le temps. Dès mm -hmm. <coughs> là, je me suis fait voir par la Cégep. Fait que là, j'ai pu aller jouer pour les Griffons, le Griffon, le delta d'Oltaouais. Puis euh, là, c'était difficile un peu après parce que Griffon dans le temps on était division 3, c'est la pré division, mais. Okay. On était tellement éloignés du reste que, si moi vraiment tu voulais, on voulait jouer à plus haut niveau, il fallait minimum aller à, à Montréal. Okay. Chose que ça ne tentait pas, pas en tout dans le temps. Fait que je voulais juste rester chez nous. Fait mm -hmm. qu'on était une, une petite gang à, à être resté dans la région pour jouer au football. Mm -hmm. Puis je pense de cette année-là, de, des années que j'étais dans les griffons, on est comme sept gars ou 8 gars qui ont eu au moins un camp. Professionnel okay. dans la CFL. Okay. Puis on était une équipe de Dision 3. Ça prouve vraiment que c'est juste la localisation géographique qui faisait en sorte qu'il y avait du talent là. C'est ça qui était cool. C'est quand même une coupe de gars qui était enjoints à Sherbrooke. Là. Euh, à Sherbrooke, puis juste universitaire. On ouais. a euh, quasiment, je te dirais au moins 90% des starters des, des années que j'étais là. Ouais. Autant offensif que défensif, ils se sont ramassés à l'université. Ah ouais. ouais. Il y okay. avait euh, les, les GGs de l'Université d'Ottawa qui étaient pas mal à Puis, ouais, euh, <coughs> Mais moi, je voulais aller jouer au Québec. La grosse ligue au Canada, pour ceux qui ne savent pas, football universitaire est au Québec. Mais mm -hmm. ben, sûrement que tout le monde connaît l'Université Laval, Rouge Or, les Carabins de, de Montréal, puis l'Université de Sherbrooke. C'est les trois universités francophones ouais. qui offrent un programme de, de football. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, c'était la grosse ligue. Euh, le RSEQ, c'est en majeure partie du temps. L'équipe qui gagne le, le RSEQ souvent, ça va être l'équipe qui va gagner la Coupe Vanier, qui est la Coupe au Canada au complet. Fait que, en tout cas, je voulais aller me mélanger. C'est là que je voulais aller jouer. <coughs> Puis euh, j'ai eu la chance. Euh, ben en tout cas, mon choix a fini par être à Sherbrooke. Okay. Euh, c'est là que j'ai décidé d'arriver. Puis là, euh, tu t'es rendu jusqu'à où En fait, tu as fait tes quatre années. Euh... Ouais, j'ai joué quatre ans à l'Université ouais. de Sherbrooke. En fait, si je parle de fait de mon parcours, quand je suis arrivé, j'étais vraiment prêt. Ça s'est vraiment, vraiment bien passé. En fait, les étoiles se sont alignées. J'étais porteur de ballon, running back. Euh, j'étais le cinquième quand je suis arrivé sur, la, sur six porteurs, je pense. Euh, au camp, j'ai réussi à bouger quatrième running back, mais il y en avait trois par game. Okay. Il y a un gars qui s'est blessé le jeudi avant la première partie. J'ai réussi à, à fitter, rentrer. J'étais le troisième porteur. Premier game, il y en a un qui se blesse, un autre porteur qui se blesse, je tombe deuxième porteur. La game d'après, notre autre porteur de balance blesse, je tombe premier. <laughs> right. C'est ça que je veux dire, quand les étoiles se sont alignées, là, comme euh, petit Jésus a décidé, bon, ah c'est à ouais. ton tour aujourd'hui. C'est un good start, c'est là, là. Ouais, que Oui, euh, en tout cas, là, mané, le, ben, le ballon m'a trouvé, puis quand c'est le temps d'être ben, de, de, efficace et d'être là pour l'équipe, j'ai su répondre à l'appel. En tout cas, ça a vraiment vraiment bien été ma première année. Je m'attendais pas à ça. puis Les médias, les Parce que là, tu es sur le gros stage. Puis là, j'imagine que c'est un rêve. Tu viens d'arriver à l'université, puis tu tout au début. tu puis je veux dire, j'étais le petit gars de qui personne ne pensait, de 10 ans trois 3, sais ce qui est lui. Puis il apparaît ça la scène universitaire. Il a la chance de jouer... Première année, ce qui est difficile, là, surtout au Rhin universitaire, il y en avait euh, 48 par game, mm -hmm. on est une centaine dans l'équipe, tu sais. Mm -hmm. Juste d'être habillé, c'est quelque chose, fait que de jouer en plus, mm -hmm. surtout en offensive ou en défensive, parce que d'habitude, les gars font leur chemin par les unités spéciales. Okay. <coughs> spéciales. Euh, fait que là, moi, que c'était directement en offensive, de une position clé, puis je viens à bout, de... tu j'étais prêt. je m'étais vraiment entraîné fort pour ça, puis j'avais pris ça vraiment, vraiment au sérieux. Fait que pis ça a porté fruit, il rendu... Euh, là, Mais quand ça arrive pour vrai, je suis capoté, c'était malade. Une fois, euh, je faisais des entrevues, euh, un année. Euh, RD... mon coach m'appelle, il dit RDS, appel... on a appelé pour te parler, le Jose avec le gars, euh, mais il parlait des séries qui s'en tout ça. Je pensais qu'il avait juste choisi moi parce que oui, je faisais bien, mais je pensais que c'était un article sur le qui s'en allait en, en, en série. Puis euh, finalement, l'article sort. Je me souviens, j'étais dans, dans le groupe d'études qu'on avait. Je tape euh, RDS.ca, puis c'est moi qui suis là. là c'est un gros article, la perle de c'est Mon Dieu, ça gueule, je n'en revenais pas. J'appelle ma mère. Je <laughs> dis, maman, RDS.ca, je juste taper ça. C'était <laughs> si <laughs> gros plan. Ah, c'était cool, c'était vraiment nice. Ça, ah ouais. Un rêve qui... C'était sur un nuage, je n'en revenais pas. C'était ah ouais. vraiment, vraiment cool. fait que c'est ça. Ma première année, ça s'est super bien passé, okay. mettons, personnellement. Puis euh, après ça, j'ai eu la... C'est ça, qui est, ça qui, est, qui est maudit au football, c'est que le ratio de blessure est à 100 ah ouais, C'est ouais. 100 sûr de savoir. C'est sûr je blesser, c'est juste de savoir quand. Ouais. Je me suis blessé à ma année, fait que... En fait, Je me suis déchiré l'aine de ma deuxième année. Ça m'a suivi jusqu'à ma troisième année. Je pense que j'ai joué peut-être total 5 games en deux ans. Okay. Euh, sur huit parties par saison de saison de, de, de ouais, saison régulière. Fait que ça m'a vraiment fait mal. Puis ma, mais là, ma quatrième année, je suis revenu en force. J'étais allé m'entraîner aux États-Unis, à Miami, dans un centre de développement d'athlètes qui envoie des gars à NFL à toutes les années. J'étais allé un mois là-bas. J'étais ressorti de là, dans la forme de ma vie. Fait que là, de méthode de, de ta vie, c'était-tu là que t'as été le plus en forme? C'est-tu là que t'as vu la courbe d'apprentissage le plus haute? Presque, parce que je suis retourné après cette saison-là, puis c'était pour les campagnes professionnels. OK. Mais, euh, euh, ouais, c'est ça. Mais cette fois, pour cette saison-là, dans le fond... Moi, personnellement, là, tout d'un coup, je m'étais remis de la blessure, tout allait bien. J'étais en forme comme jamais j'avais été. Mais côté l'équipe, l'équipe n'allait vraiment pas bien. Puis on était sur une pente vraiment descendante. On n'a okay. pas fait les séries, rien. Fait... Puis moi, c'était mon année, il fallait que je me, je me démarque. c'est oh. ma dernière année. Fait que si je voulais jouer pro, c'était là ou jamais. Fait que je suis venu à bout de me de, de, de faire voir sur un, les unités spéciaux, ce qui est vraiment bon pour jouer professionnel après. Ils regardent ça beaucoup pour les joueurs canadiens, surtout. Fait que... Euh... Pis, mais encore là, j'avais l'étiquette de blessé okay. à cause que, que ça, te nuit tout le long, même pour le repêchage. Oui, exactement. Okay. Ouais, vraiment. J'avais l'étiquette euh, euh, du gars qui, 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 qui se blesse. J'ai passé deux saisons à être là à moitié. Fait, okay. Eux, ils voient ça. Puis en plus, ma, ma dernière année, ça n'a pas super bien été. Fait que comme bof, tu sais, il y a okay. d'autres gars. Mm -hmm. Mais moi, j'étais comme non, 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 attends un peu. Là. Moi, c'est mon rêve, puis je vais foncer 100 000 puis c'est ça j'veux. Fait, j'veux que je veux. Fait je vais te montrer que j'ai d'affaires à être là. Fait, mm -hmm. Puis euh, j'avais tellement fait des bons. J'avais tellement eu des bons résultats sur les tests physiques quand je suis revenu euh, la première fois de Miami. Que j'ai réussi à me faire voir par certains agents. Mm -hmm. Puis quand je leur ai dit mes tests, puis j'aurais montré, c'était des tests de niveau euh, NFL là, américain. Là. J'étais à la même pas que les gars là-bas. À ce là. moment-là, tu étais en pleine capacité. Là. Presque. OK, alright. Parce que là, j'ai joué à 16 puis là. Euh, quand venait le temps après de, du repêchage tout le processus, euh, au début, j'ai signé avec un agent des, des États-Unis, ouais. qui était agent d'un de mes bons amis, Michael Charlin, qui avait été repêché euh, en deuxième ronde l'année d'avant par les Red Blacks, puis qui, qui, qui allait super bien. Fait. À cause de lui, j'ai eu comme une petite plug. Lui, a vu mon, mon highlight, puis il a vu mes résultats, euh, de test physique. Il m'a appelé. Euh, au début, j'avais signé avec lui. Ça, c'était cool. Son, son gars. Sont, euh, le propriétaire de, ce, euh, de ce, cette agence-là, ouais. c'était l'agent de Brian Dawkins, qui était comme un all-star des Eagles dans le temps. En tout cas, euh, okay. c'était vraiment une grosse agence. Mm -hmm. Puis, euh, quand il m'a appelé pour, pour mettons, me signer, j'étais en FaceTime avec eux. Puis le background, c'était genre toutes les castes des, des équipes de la NFL, j'avais l'impression que c'était comme un studio d'NFL Network, genre. Ah. C'était malade, c'est comme les films. Puis là, là ils me parlent, puis eux là-bas, c'est super euh, <coughs> euh, traditionnel. Ils me parlent tout de suite. Il dit euh, Oui, je veux savoir comment tu vas, mais est-ce que ta famille va bien? T'as-tu des frères et soeurs? Ils posent des questions plus de ce côté-là. Okay. Ouais, ouais, parfait, on est content, on est une famille, on veut chez nous. Pis, fait que là. Finalement, j'ai signé avec cet agent-là. Okay. Malheureusement, cet agent-là a décidé d'arrêter de faire des, des clients de la CFL, puis juste rester NFL. Côté monétage, pas besoin de m'estimer, c'était comme très évident pourquoi il le faisait, mais je le comprenais. Là. Ah ouais. Fait que là, j'ai signé avec un autre agent, okay. qui est Patrick Zacker de Montréal. Lui, il commençait dans le domaine, puis il voulait, il voulait un peu se prouver de ce côté-là. Fait que ouais. là, c'est lui qui m'a envoyé à Miami la fois d'après. Je suis retourné à Miami un mois, euh, avant les, les combines professionnels. Puis à Miami, as d'autres joueurs de partout dans le monde? Okay. À Miami, c'était tous les studs des universités américaines. Okay. Ils allaient. Ils se faisaient. Ils, tous les, les agents là-bas les envoyaient dans un centre de développement de même ouais. pour être dans la meilleure forme possible avant les combines NFL. Fait que dans mon groupe, j'ai des amis là-dedans qui jouent tous dans la NFL aujourd'hui. Comme euh, Marlon Mack, le running back des Colts. Était, il était dans mon groupe. J'étais avec là, tous les jours. Euh, J'étais vite de même. Là, il y en avait une couple. Derek Obungawell. Je pense que c'en était un autre aussi. <rire> <rire> Pat O'Connor, un de mes amis aussi, qui lui, euh, il joue pour les euh, Tampa Bay Buccaneers là, en ce moment là, avec Tom Brady et tout ça. Oh, lui, il était drôle. Il, on, on se jase encore. Euh, il ne en revenait pas quand. C'était fou de vivre le processus avec ces gars euh, Là, Là, c'est du monde de partout aux États-Unis qui s'en ouais. vont là. Tu vois, que sont quand même. Euh, leur performance est quand même super bonne. Tu me le dis, c'est tout du monde qui ont. Ben, pas tout le monde qui a fait de la, la NFL, mais il y a une partie de ceux-là qui ont pas fait de la majorité, NFL. Ouais. Fait que. Le niveau, il doit être excellent. Est-ce ouais. que toi, personnellement, là, tu te couchais le soir, puis genre, t'étais stressé parce que il fallait que tu performes devant eux? Pas à tout, en fait, j'étais plus que confus. J'avais la confiance dans le tapis parce que. J'étais avec tous des gars qui s'en allaient dans la NFL. Mais côté physique, test physique, j'ai suivais tout. Okay. Dans, même j'étais dans, dans les tops de okay. mon groupe. Okay. Comme j'étais le, le plus gros, le plus fort. Pas le plus vite, là. Il y en avait une couple là-dedans qui était vite en tabarnouche, mais j'étais dans les top. Pour tous les tests physiques. Okay. Fait c'est là que j'ai fait comme crime, man. Même, même, chance, les gars, même les gars, ils me disaient Pourquoi c'est pas. De, pourquoi pas dans la NFL à la place? Oh. Puis je disais. Ouais, je, je euh, de la cité. Ce qui est tough, par exemple, c'est que les gars sont brandés Wisconsin, West Virginia, euh, South Florida, euh, ou Central Florida. En ce tout cas, t'avais des gars d'un peu partout, genre des, des gros noms des grosses gros universités. Okay. Moi, je suis brandé à Université de Sherbrooke. T'sais. Ça, M tu penses que ça joue? Ben oui, ça joue. Même okay. eux, eux, ils en parlaient. Okay. Eux, ils disaient que c'était un des, un des un une des grosses affaires. Ils disaient que ça, c'est une des grosses affaires qui leur tapait okay. ses nerfs. C'est que les gars qui étaient brandés Alabama... Uh, Clemson, tout ça, il y a beaucoup de joueurs qui vont, ils ont tellement eu plus d'exposure, plus, de, de plus de visibilité. C'est pourquoi ils ont plus de visibilité. C'est juste, c'est, tellement un autre monde aux États-Unis. Oh ouais. C'est tellement différent par ampleur. Là. Comme euh, y a un des, je parlais avec un des gars, lui, il venait de Virginia Tech. Euh, <coughs> il me disait, on jouait contre des universités poches, puis. Euh, eux ils étaient plus que contents de nous avoir. Là. On les défonçait, là, genre des 70-0. C'est juste que c'était parti. C'est tellement gros aux États-Unis, tu vois ça, là, que juste le fait que euh, Virginia Tech venait à cette université-là, ça leur faisait tout leur argent pour leur année. Parce qu'ils remplissaient le stade au complet. Okay. Puis ça les ventes, c'est fou l'argent que ça génère okay. aux États-Unis. Fait que tu dans un autre monde. Il hey, y avait des gars dans, dans, mon, dans mon groupe, mettons, là, et un est arrivé avec le gros. Tous ceux qui avaient un draft grade, fait qui étaient projetés au draft, qui avaient dans les articles, les médias ou quoi que ce soit, si moindrement son nom était écrit dans un article comme quoi qu'il y a des bonnes chances de se faire repêcher, les gars avaient carte blanche avec leur agent. Les gars, y avait 19 ans, 20 ans. Ils arrivaient dans le parking avec le gros Silverado, les rims qui montaient jusqu'à. Les grills. C'est tellement. En tout cas, C'était tellement ridicule des fois. Leurs habitudes sont pas pareilles comme les nôtres. Là, mettons. Oh, ouais. Si moi vraiment t'as de l'argent, il y en a qui vont penser de l'investir ou acheter ça, ça. Eux, c'est tout ce qui est comment flasher. Là. Oh, ouais. Les gars, ils, ils se mettaient des. Ils allaient acheter des grilles en or, en diamant, là, mm -hmm. Puis ils mettaient du parking jusqu'à temps qu'ils rentrent dans le centre. Juste pour montrer qu'il y avait des girls. Il, il rentrait dans le portier qu'ils enlevaient. Mm -hmm. Parce que tu t'entraînais. Tu ne vas pas oh. t'entraîner <laughs> ben, avec ça. Tu sais, mais. Puis ils rentraient, ils faisaient 3-4 sourires. Je montrais qu'ils <laughs> avaient dans la bouche. Okay. Le reste, ils remettaient dans, dans le caisse. Puis partait. partaient. Ah, c'est un autre monde. Carrément un autre monde. Puis il y a bien des gars que je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, oui, tu as carte blanche avec ton agent, mais le deal, c'est que tu rembourses tout ce que tu as pris une okay. fois que tu signes. Tu sais, fait il y en a une couple là-dedans, là, il y en a qui ont percé puis il n'y a pas de stress, mais il y en a d'autres que. Je suis comme, oh boy, man, là, lui, lui, il Il y avait un beau setup, là, lui, qui s'était ramassé, là, à quel point il va être capable de. C'est sûr que surtout que tu signes dans un camp, mm -hmm. je pense que le minimum, tu fais comme 50 000 Américains dans le camp. Il okay. y a moyen de. En tout cas, de mais moi, ce que comment. je me demande, t'sais, là, on revient que c'est tout du monde de, de partout, mais j'imagine que la compétition entre vous autres, est-ce que. Il y en a qui essayent de prendre plus de place que d'autres puis il y avait une rivalité ou c'était quand même friendly. C'était vraiment c'était tellement friendly à cause que c'est comme si tout le monde est 100% sur leur île. Tu pas d'équipe oh, ouais. Tout le monde s'en va se rendre meilleur eux pour leur chance à eux. Puis tu sais quand tu fais les drills, quand tu fais les à la fin de la journée, le scout lui il va regarder toi quand toi tu es sur le terrain. Ouais. Fait c'est pour ça qu'il ça... y avait tellement de bonne chimie. On voulait tellement que tout le, monde tout le monde voulait le bien tout le monde, tout le monde voulait que tout le monde performe bien, tu sais. Ça, ça doit aider l'entraînement, le, <coughs> tu sais. Le, vous vous donnez des trucs entre vous autres, puis il euh, faut vous aligner. Ouais, quoi. ouais, puis on s'aide tout, tu sais. Puis on, on se donne des trucs. Il y en a qui sont plus là, dans, dans leur bulle, puis on comprend ça, tu respecte Mais il y en a mm -hmm. d'autres, qui jasent, puis hey, je t'ai vu faire ça de même, tu sais. Ouais, toi. Ouais. Puis, euh, hey, il y en a un, man. On l'a vu courir, là. Un, un 4-2-7 au 40 verges. C'est. Extrêmement vite. J'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Puis quand, tu, quand on l'a vu flyer, là, on le savait tout de suite. Tout, tout le monde. Là. Quand il a traversé la ligne, là, le groupe au complet, là, oh! <laughs> Puis en plus, le gars, il ne donnait pas les scores tout de suite. Il attendait à la fin. Mais pour ce gars-là, il est arrivé puis il fait comme Yo, boys, il vient de claquer un 4-2-7. Hein. Tout le monde, a capoté C'était vraiment nice. L'ambiance, c'était cool. Puis en plus, ce qui est encore plus motivant, c'est que le groupe de la NFL était juste après nous. Okay. Fait, yeah. <coughs> ça, ça c'était vraiment nice. Mettons, j'étais dans le gym, mm -hmm. puis nous notre heure finissait à, à une certaine heure, mettons. Puis euh, eux, ils étaient vraiment stricts sur le temps d'entraînement. Même si t'as pas fini ton gym, d'habitude, quand ton heure est faite, ton heure est faite. Pas juste pour le gym. En tout cas, ils étaient poussés dans l'entraînement et tout ça avec, euh, pour ton acide lactique le lendemain, puis whatever. Okay. Ils Après une heure, whatever tu étais radio, tu finissais. Puis euh, là, nous, en plus, il y avait le groupe de qui rentrait après. Puis euh, moi, j'étais dans, euh, dans le gym, j'avais pas fini. Puis il me restait une coupe de reps à faire. Puis je, je sais que le, le gars, il savait que moi, je tenais vraiment à, venir, à finir tout mon, mon gym. Ouais. Puis euh, là, il, il regardait, il a parlé un peu avec l'autre entraîneur. Il a dit Isaac, tu peux rester. Finis ton gym, viens après, par exemple. Là. Il dit parce que de toute façon, c'est le groupe des running backs de la NFL qui s'en viennent. Fait que ta position. De ma position. Je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, je t'arrête de squatter. Puis d'un coup, je me revais. Puis il y a genre, il y a Rashad Jennings à côté de moi, qui était le running back des Giants dans le temps. T'avais James White, le petit running back des, des New England Patriots. Il venait de gagner le Super Bowl. Puis les il se pétait Breton. Puis il avait, il y avait promené tout, tout le monde là-bas, genre, à cause qu'il était sur un nuage. Je veux pas. Ah. Il y avait Frank Gore, qui était vieux de la vieille, qui se fait, je sais pas si c'est sa 19e ou 20e saison, lui, qui fait en ce moment, je ne sais plus combien. En tout cas, il était rendu à beaucoup. Puis, euh, fait tu sais, j'étais à côté de mes idoles. J'ai oh ouais. regardé aller, je avec eux sur Madden là, quand j'étais plus petit. Puis là, tout coup, je dans le même gym qu'eux. Puis le j'avais plus, je pousse plus qu'eux autres parce qu'eux sont rendus ailleurs dans leur dans, dans leur cheminement, plus besoin de pousser autant. Oh Moi, je m'en allais directement pour être dans le pic de ma femme. Puis oh ouais. euh, c'était l'expérience là-bas, là, c'était incroyable. Puis en plus, traiter aux petits agneaux comme tu peux même pas comprendre. Là, genre. On rentrait, il y avait un, un, un gars qui s'occupait de de nous, le, le trainer, on était des petits groupes. Ouais. Fait que, il s'occupait de ton horaire. Fait que je rentrais, je regardais, dépendamment du gym qu'on avait fait la veille, dépendamment de, de la charge d'entraînement, tout ça, je regardais mon horaire, je suis comme « OK, bon. » Il y avait une équipe de massothérapie, une équipe de chiro euh, qui, qui était là, temps plein une équipe de physio, juste pour nous. Mm -hmm. Fait qu'il dit « OK, fait en arrivant à 8h, t'as un rendez-vous masso. Mm -hmm. 9h, euh, tu t'en vas chiro. Après ça, tout que tu finis, tu t'en viens dans le gym. » Puis là, en arrivant, selon mes objectifs à moi, j'avais un shake, écrit Isaac Lozon dessus, tu sais. Ben ça, c'était le mien, oh. Donc, selon mes objectifs à moi. Ben, après, de l'autre côté, ça, c'est pour l'autre. Ça, se tient, puis le mien était gros, parce tout cas, il fallait que je prenne du poids. Puis, euh, puis après ça, en revenant, en revenant à tous mes rendez-vous, je repasse en avant, là. Ah, hey Isaac, oublie pas, t'as ton pre-workout ici. Fait que là, c'était le mien. On peut très tôt aux petits oignons quand t'étais à Miami, mais euh, ouais. je me demande, quand t'en reviens à, au Québec, y a-tu un clash de faire. Ok, j'étais. Là-bas, je t'ai traité comme un roi, quasiment comme si je ferais la NFL. Puis là, j'arrive au Québec, puis j'imagine que c'était pas mal le retour à la réalité. Là. Oui, mais retour à la réalité dans, dans le shape de ma vie. Là, oh, je veux ouais. dire, je, je m'entraînais déjà de temps plein, j'allais plus à l'école, j'avais tout, j'avais même arrêté de travailler. Okay. J'ai mis là, le package, le full oh, package. Ouais. Ça, c'est fait... au moment où tu étais proche du draft. Oui. Pendant, fait que j'ai. Pendant un mois et demi, j'ai pas eu le temps des fêtes cette année-là. Okay. Pendant comme un bon deux mois, je m'entraînais de temps plein par moi-même de mon côté à Sherbrooke, Tu t'as quand même des bonnes installations là, pour t'entraîner. <coughs> fait que je suis arrivé en forme à Miami. puis là, là-bas, ça t'amène à, à la coche d'après. Là, là oh. je m'entraîne temps plein avec des professionnels dans le domaine, avec tout ce qu'il faut pour réussir. Fait que mm -hmm. là, allé chercher la coche de plus qui aurait vraiment été difficile à aller chercher au Canada. Oh. Puis euh, ah, ils, ont, ils ont une méthodologie de faire, eux autres, il y 30 gars la NFL par année, là, le chemin est pavé. Vas-y, c'est sûr que tu fais exactement ce qu'on dit ou mm -hmm. va-t'en chez vous. Fait fait que que là, là tu étais au pic de ta forme. J'imagine que toi, c'était tu certain dans ta taille, ben, pas certain, là, mais tu étais confiant que tu aurais été euh, cherché, par, euh, cherché par une autre équipe, par, par une équipe canadienne ou whatever. Oui. ouais, euh... ouais j'étais 100% en fait. J'étais plus que confiant. Ouais. J'avais tout mis, genre, oh ouais. tout l'argent qui me restait, tout le temps. Même mon agent, il avait vraiment, vraiment investi beaucoup à moi. C'est vraiment pas donné d'aller là-bas. Là, parce ouais. qu'ils sont habitués d'avoir des, des, des agents NFL qui viennent. Fait qu Ils barrent le prix. Là. Ils oh savent ouais. que les gars, ça va faire des millions. Là, fait il, oh il, 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 en tout cas, c'est pas donné d'aller là. là C'est quoi l'effet le, <laughs> de. le sais que tu as été joué euh, une game ou deux pour les, euh, les Alouettes. Ouais, mais dans le fond, après ça. J'ai Shadow Combine, CFL. Puis euh, le côté test physique, ça s'est vraiment bien passé. Okay. Euh, J'ai fini par être le running, le running back le plus vite au Canada mm -hmm. dans toutes les Combines qu'il y avait eu de partout au Canada. Okay. C'est moi qui avais fini avec le meilleur temps. Mm -hmm. Puis en plus, j'étais dans les plus gros. C'est ça qui m'a comme démarqué. Okay. C'est vraiment vite pour mon 16. Okay. Fait... Puis euh, les Alouettes m'avaient vu au, au Combine. <coughs> puis euh, ils ont décidé de faire des. J'ai fait des workouts avec eux par après, avant le draft. Puis je les ai vraiment impressionnés là. Ça, ça gurait vraiment bien. Ouais. Puis mon agent avait réussi à, à travailler pour moi. Puis avec les tests que j'avais sortis, pour que mon nom commence à sortir des articles de, 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 de projection pour le repêchage. Fait okay. que tout d'un coup, j'ai commencé à apparaître. Il y avait un petit vibe, un petit hype. Là, ça commençait à bien aller. Ça logurait très bien. Ouais. Puis euh, finalement, je me suis pas fait repêcher, ouais. mais je me suis fait signer comme agent libre par après. Okay. Puis toutes les équipes à qui mon agent parlait, disaient que c'était tout à cause le la blessure. OK. Fait que ça a été l'étiquette qui t'a nuit là, du début à la fin. Oui, la blessure, ça n'a vraiment, vraiment pas aidé. Okay. Puis mettons que j'avais pas eu la super année non plus ma dernière, ma dernière saison, mais moi, ah, j'étais ouais. convaincu que j'avais d'affaire faire être là. Oh, je, ouais, savais que, je savais que... Et je m'entraînais aux États-Unis, j'étais au même niveau que tout le monde. Moi, j'étais sûr que j'avais ma place. Okay. Là, fait que j'avais vraiment confiance dans le tapis. Puis là, euh, là j'ai eu ma chance. Ouais. Fait que j'ai. Hey, je me suis fait appeler. Là. Ça faisait deux semaines qu'il brettait, qu'il disait qu'il allait me signer, mais qu'il ne me signait pas. puis euh, Il me signe le jour du camp des Vétérans okay. à 4h du matin. Et je reçois un appel. Mon agent m'appelle à 4h du matin. Il dit Ouais. Il dit Tantôt cet après-midi. À deux heures, vous êtes au Facilities, euh, t'es signé, C'est t'en vas au camp des Alouettes. Je suis comme. Ok, parfait, cool. Je raccroche. À, à 4 heures du matin, j'ai dormi après. J'étais un hibou. Ah oh, t'es allumé. J'ai oublié ça, man. Je capotais. J'ai réveillé ma blonde dans le temps, man, man. la capotais. C'est malade, là, le, le feeling de j'ai réussi, tabarnasse. Ben oui, oui. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est un mini party parce que être signé, c'est une affaire okay. au camp. Rendu là que tu as été repêché, que tu as whatever, quoi, le chemin pour te rendre, rendu là, là, c'est le vrai test. Okay. Là, il faut que tu te démarques. Là, là c'est la guerre. Là. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était plus que. Là, tu plus à l'université. Le monde, ils se battent pour nourrir la famille. Oh, ouais. C'est plus. Euh, j'ai du fun en même temps faire mes études, puis c'est cool. Puis là, c'est un autre game, carrément. Là. Fait que c'était vraiment à la guerre. Puis là, tu des Américains, tu des Canadiens. Tu as du monde, ça fait longtemps qu'ils sont là, des Vets, as des... Puis. Mais cette journée-là, je me rappelle, là, à 4h du matin, j'ai l'appel. À 2h, je suis dans la salle de meeting. Puis je rentre dans la salle de meeting. Puis j'ai tous les gars que je regardais depuis que je suis petit. Il y en avait beaucoup qui étaient encore là. Oh ouais. Donc, John Bowman, le D.N. Hall of Famer de, 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 des Alouettes. Je rentre, c'est le premier gars que je croise. Hein, je hey, suis comme... Ça, tu sais, mm -hmm. c'est cool, mais je suis oh, comme, c'est ce c'est bon, John Bourbette, là. Avec que ça me des gars que je capotais de juste être dans, dans la même salle. Dans le temps, c'est genre que ça donnait notre coach. il est là, il jase, je, je te dis, je commençais à voir des étoiles, je, 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 je suis là. Mais ce qui était vraiment cool, c'est que mon meilleur ami, ou mon touré, lui, on a fait exactement le même parcours. Tu euh, au Griffon ensemble, ouais. sur D'Oltawa. On a signé à Sherbrooke ensemble, on a vécu là toutes nos années. Lui, il s'était fait pêcher par les Alouettes. Moi, je me suis fait signer comme agent libre. Okay. Puis il a fait le camp des recrues avant moi. Okay. Fait que lui, il avait, ça faisait déjà une coupe de jours qui était là. Okay. Mais j'arrive là, puis mon, un de mes meilleurs chums est là, tu sais, je, ah ouais. je je peux pas de à Kay, là. Ah puis ce qui était fou aussi, c'est que là, été signé comme fullback. Fait qu'ils m'ont changé de position. Okay. Puis le fait qu'il y avait moi comme fullback. Omar aussi était comme fullback, tight end, En tout cas, c'est... Euh, fait qu'on était les deux de Sherbrooke. Euh, T'avais euh, Jean-Christophe Beaulieu, qui était le starter. Mais là, en ce moment-là... Lui, vous... ce gars-là, le GC, ouais. c'était ouais. le vétéran qui nous a accueillis à Sherbrooke. Okay. C'était comme notre big brother. Ouais, c'est lui qui nous a tout montré. Ouais. Lui, il s'est fait signer là. C'est le... C'est starter, là. Puis on, on revit le même processus, là. Tu sais, on arrive Est-ce que, est que, est que quand tu avec Oumar puis avec lui, euh, vous êtes en compétition l'un l'autre pour prendre ce place-là Oui. C'est okay. ça, ça qui était touché, parce que okay. là, là, on est en compétition directe, là. Okay. Puis vraiment, vraiment direct, là. C'est pour la, pour, pour la même position en plus. Okay. Es, avec un de tes meilleurs chums, puis vous vous battez pour la position. Ouais. Okay mais on avait tellement de fun juste c'est de ça qu'on rêvait depuis qu'on bon, était ouais. petit. tu sais que Oumar c'était sa position initiale ça ouais de... Oumar ouais, okay. ouais. oui okay. moi non ouais, fait ça, que moi c'était nouveau j'apprenais une nouvelle position pro j'ai ouais. je, je dit man là je m'ennuie ma mère <rire> okay. <rire> okay. <rire> hey, <man. rire> des, des « days man des six heures de pratique des euh, non excuse on avait cinq heures de pratique six heures de meeting là dedans faut que tu manges tu dis, hey man, je, 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 puis en plus, il fallait étudier. Hey, on avait ça des petits de playbooks à apprendre à tous les soirs. Okay. C'était l'enfort. Capo... Puis eux, ils étaient plus à l'aise, c'était leur position. Ben oui, ben oui. Mais si, j'étudiais un peu avec eux, après ça, eux, ils l'aient le soir. Moi, j'allais m'enfermer ben dans mon, mon dorme. C'est pis... des plans que autres, ça fait depuis l'université, qui... puis même depuis le cégep, qu'ils voient et qu'ils connaissent. Là. Ouais, mais moi aussi, je les vois, je les connais, mais. Pas de, pas de leur... Parce que de le voir, le connaître, c'est une affaire. De le faire, c'est ouais. un, un autre, tu sais. Ah, Et la technique de le faire, tout ça, qu'eux, ils ont pratiqué pendant toute l'université. Moi, il faut que je l'apprenne là, live, pendant le camp des Alouettes, maintenant. Puis il faut ah. que je sois bon. C'est que... pour quelle raison que t'as changé de position? À cause des... Euh, c'est compliqué un peu, là, mais... Ils prédéterminent quelle position va être quelle nationalité. OK. Comme... Euh, parce qu'ils ont des ratios à, à, à respecter. OK. Fait ils, vont, ils prédéterminent euh, cette position-là va être une position américaine, cette ah, position-là ouais. va être une position canadienne. Parce okay. que, comme je te dis, on est des ratios à respecter sur ah, le ouais. terrain. Fait que si jamais, ce gars-là, ton partant, il se blesse, s'ils sont remplacés de la même nationalité, as le même, ton ratio est le même. Est-ce que. Est à ben, ta connaissance, est-ce que c'est la même chose pour la NFL? Ah oh non, pas à tout. Okay. La NFL, il n'y a aucun ratio, il n'y a pas rien. Okay. C'était pour contrôler, c'était pour donner une chance aux Canadiens. Il faut jouer dans la CFL. T'sais. Ok, ok, je comprends. Parce que la, la bonne majorité de la CFL aussi, c'est toutes des anciens coachs de la NFL ou des anciens coachs qui ont rodé dans, dans le système américain. Puis là, tout d'un coup, as le droit d'avoir des Américains. Fait c'est sûr qu'eux allaient ah Il ouais. y avait un petit côté prenant pour le gars qui venait de, des États-Unis okay. versus le petit Canadien qui a joué ici, tu sais, que. En tout cas, c'était juste des, des réalités différentes. Fait que, okay. fait que là, pour comme contrôler ça, ils ont instauré des ratios. Il faut que 50% de ton équipe soit canadienne. Il faut que tu en aies un minimum 7 starters offense-defense qui sont canadiens aussi. Euh, fait que, que dis-toi, tu en as 7 des 22 habillés. Fait que c'est pour ça que si tu es bon, ces unités spéciaux, c'est là, là que ton pesant en mort, il rentre. Okay. Parce que ça, c'est comme la troisième unité. En tout cas, ouais, ouais, je suis rendu cru à la technicalité. Ouais. Mais c'est. Bref, c'était canadien, il y a des bonnes chances que tu joues ces unités spéciaux. Mm -hmm. Puis, euh, back, la position pour laquelle j'appliquais, ben ça, ouais. c'est une position qui était canadienne pour euh, les Alouettes. Okay. Fait que. Euh... Ouais. Puis. Euh... Fait que là, t'étais proche, la... proche de la fin dans le sens de. de, de de rentrer pour les adouettes t'étais quand même à un cheveu là rendu là ah j'étais là là j'étais oh, puis l'affaire c'est que Kevin Suid, le GM dans le temps euh, il m'avait dit que j'allais avoir parce que je les avais vraiment impressionnés dans les workout avant euh, côté euh, tracé de passe, côté tu il a vu que j'étais vraiment versatile fait qu'il m'a dit que j'allais avoir un rôle en France en affance aussi pas ouais. juste sur les unités spéciaux mm -hmm. Puis quand je suis arrivé là, c'est là que je me suis vite rendu compte que ça, c'était un plan qu'il avait dit à moi et personne d'autre. Okay. Je partais là, j'étais là. là J'ai parti plus qu'en bas de l'échelle, j'étais dans le sous-sol. Okay. J'étais le petit Canadien nowhere qui, qui vient remplir nos ratios. Ah fait ouais. que là, on est correct. C'est le même qu'il voyait au début. Puis pour vrai, je pense qu'il ne pensait pas que j'allais toffer. Okay. Puis finalement, plus ça allait, plus réussi réussissais bien fort, plus mm -hmm. je me démarquais. Plus que j'ai réussi à me faire une place dans, au sein de l'unité. Puis que. Euh, hey, puis c'était fou, man. Mon, mon, vu que je suis rentré à la fin du camp, j'étais comme la dernière vraie cause dans le vestiaire. Mm -hmm. La cause après, ben, à côté de moi, c'était comme des chaises qui avait installées juste okay. pour m'accommoder tout le monde. <laughs> okay. Puis genre, mon chum, mon voisin de case, là, il changeait aux deux jours. Okay. Il y en a un nouveau qui arrivait, il venait d'arriver des États-Unis. Ah, il s'est blessé. Il n'en a même plus là. Oh. Ouah, il n'était pas si bon que ça. Il n'en a même plus là. C'était fou, là, comme c'était stressant. Chaque jour oh ouais. que je faisais de plus dans les... au camp, j'étais content de l'avoir mm -hmm. passé au travers. Okay. En plus de faire une nouvelle position, en plus que je me couchais à 2-3 heures du matin pour essayer d'étudier le playbook pour la, le lendemain, j'aimais mieux être fatigué et être euh, pas top physiquement, mais, à, à ton mais savoir exactement où je m'en allais, oh que ouais. ça allait être ma chance, oh que ouais. de ne pas savoir ce que je faisais, mais d'être en forme. J'avais oh ouais. déjà avais des choix à faire. Oh, c'était de loin l'épreuve la plus difficile autant psychologiquement que physiquement que j'ai eu de toute ma vie. Okay. C'était atroce. Là, Donc, là, là que je, que... Que je m'ennuyais de ma mère. Là, oh, ouais. La pression était à son maximum. Maximum, ça n'aurait pas pu être plus. Que... C'était vraiment... Puis, hey, man, puis là, tu vois des gars partir à tous les jours. Voilà. Ah, hey, C'était fou. là, puis là euh, La suite, c'est que, là, tu n'es pas choisi là-dedans. Euh, mais j'imagine, après, c'est un parcours, par exemple... Euh... De loin, là, comme je t'ai connu au secondaire, que c'était ça ton, ton rêve. Ouais. Là, à tous les jours, c'est ça ton rêve depuis le, le, le secondaire. Ouais. Là, tu arrives, t es au bout, tu as un cheveu de fer, mm -hmm. puis là, tu as la déception. Oui. Ouais, puis l'affaire, c'est que j'ai survécu tout le camp. Ouais. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que tantôt, je parlais de mon ami Michael Charlin, Charlin qui s'est fait ouais. repêcher euh, euh, en deuxième ronde, tout ça. Ouais. Lui, il est tombé agent libre, puis il a signé à Sherbrooke. Okay. Mais juste avant qu'il signe, moi, j'avais réussi à me démarquer à bien fort. À Sherbrooke? Euh, excusez Sherbrooke, à Sherbrooke, pour les Alouettes. Les Alouettes. Euh, moi, j'avais réussi à bien faire, j'avais réussi à, à me démarquer au camp. Ouais. Tellement qu'il y avait repêché un gars pour les unités spéciaux. Un gars de Calgary. Finalement, ils l'ont échangé pendant le camp. Okay. Pour un gars de Saskatchewan pour recevoir un o line Fait que, moi j'avais comme j'étais comme tombé avec son poste. Fait que dans, dans le depth chart. J'avais monté partout. Okay. Fait que à ce point-là, j'étais comme dans l'équipe. Oh, okay. Ça allait bien. Là. Okay. Puis le lendemain, il signe Charland. Charland arrive. Je suis, je, suis, je suis content de le voir arriver. Ouais. C'était un de mes meilleurs chums. Il a grandi dans la rue à Oumar. Okay. Les trois, on joué pour les, pour les, les Griffons. Oh. Ensemble, on était trois meilleurs chums là-bas. Ouais. Puis là, les trois, on a le saut des Alouettes sur le dos. On, est, on joue pro ensemble. Ouais. Un... Le rêve. Là, 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 on vivait le rêve. Là, on était dedans. Ouais. C'était incroyable. Mais lui, c'était vraiment un joueur qui avait été pris pour les unités spéciaux. Okay. Fait que Aussitôt qu'il est arrivé, j'étais donc on allait le voir, mais il a comme pris mon spot partout. Okay. <laughs> fait que, en tout cas. Fait que, euh, c'est ça. Finalement, j'ai réussi à. Il y a une game pré-saison qui a bien été. Ouais. L'autre game qui a pas vraiment bien été. Okay. J'avais pas beaucoup de rap en plus. J'avais pas beaucoup de chance à me prouver. Mm -hmm. Fait que, finalement, ça s'est terminé. Ben, en fait, j'ai fini le camp complet. J'ai ouais. joué deux games avec l'équipe. Ouais. Pris l'avion, vé, tu sais, vécu le rêve. Ouais, ouais. Les, petits, les jeunes, ils venaient. Puis, on parlait français les jeunes qui arrivaient, man, pis ils disaient, hey, père, oh ouais. je veux un autographe. Je dis hey, salut, viens ici, tu sais. puis ils disent, ah, mon Dieu, 48 le 48 parle français, je te le dis. <laughs> c'était cool, genre, cette expérience-là, -là, c'était vraiment malade. Tu sais, de, juste avant la game, tu tapes dans la main de tout le monde. Oh là, tu ouais. sais, ici, là, le monde va ton autographe. C'était fou, C'était mm -hmm. vraiment, vraiment une belle expérience. Fait que, en tout cas, j'ai fait tout le camp. Afin, quand le camp finit, on s'en va s'installer dans euh, le stade olympique, tout. Tu sais, j'étais rendu là, j'étais rendu dans le stade. Là, c'était les dernières dernières Cooper. Ouais. Puis euh, j'étais dans les derniers derniers Canadiens à être retranché. on ne peut dit, pas passer à plus de deux doigts que ça de le faire. Ouais, ah, ah, c'était fou. Puis mais... en plus, dans le temps, il faisait un gros documentaire sur le, le camp. Mm -hmm. Puis les caméramans m'aimaient bien parce que je parlais français. Ouais. Ils me suivaient tout le long. Pis... Bon, je sais on sait qu'on avait beaucoup de footage pour, euh, pour ce documentaire-là. Mm -hmm. Mais quand je suis rentré à la fin dans le bureau de KVS Suite qui donne la décision finale de ce qui se passe avec toi. Il y avait des caméras partout, là. puis les les m'annonce que finalement je suis retranché, puis que Mais que mec m'a remercié dit que je l'avais bien impressionné pendant que j'avais fait ma place, puis ouais. que j'avais ma place dans la ligue de continuer à m'entraîner tout ça. Puis euh, je suis comme « OK », tu sais, en tout cas, c'est sûr que c'est jamais le fun en... Mais j'ai dit merci pour l'opportunité tout ça, puis ah bonne ouais. chance. Puis je vais être, je vais être prêt au oh, « no matter what », si vous avez besoin, appelez-moi. Ouais. Puis le char, puis le gars qui veut m'interviewer, là, ouais. là c'est pas le temps. Là, ah. là, là, à ce moment non, ça me tente pas de te parler. Je m'en vais, je sais le... C'est parce que je venais de vivre l'épreuve la plus tough de ma ben vie. Oui, man. Ben oui. Je suis à bout, là, physiquement, mentalement. Je voulais juste avoir une réponse. Je, ah ouais. je voulais juste savoir, OK, oui, je l'ai faite. OK. Mais OK, je ne l'ai pas faite. Je, je peux juste retourner chez nous, aller dormir pendant <laughs> trois jours. Ah J'étais juste à bout. Là, ah puis euh, fait que, là, Il m'annonce ça. Le short. Puis finalement, le... de toute la footage qu'on a prise pendant le camp, le seul fois, ben j'ai je passe un couple de fois là, dans, dans le documentaire mais la, la fois que je passe pour vrai c'est que c'est moi le canadien qui monte qui se fait retrancher à la fin euh, du documentaire genre mais tiens je suis retourné sur ma blonde, puis là on a, on a checké le documentaire là je l'ai comme revécu ouais. cette fois-là j'ai plus moment... jamais rechecké depuis <laughs> non, mais à ce moment-là tu prends un, as un méchant de minutes. là parce que là puis moi ce que je me... je veux dire je te comprends d'être mettons exemple à ce moment-là être anéanti là c'est tout... anéanti man c'était ah, c'est l'enfer, puis là, j'appelle ou mort, tu sais. Lui, il a appris qu'il a fait l'équipe, il va sur l'équipe de pratique, puis lui, il était pisse d'être sur l'équipe de pratique, mais il a pas le droit d'être pisse à côté de moi. Moi, je suis plus là. Mais là, comme tu dis, c'est que les autres, ils te remercient, mais ils continue de t'entraîner, puis continue. Oui, c'est ça. Là, le gérant, général m'annonce à nouvelle. En sortant, le head scout vient me voir, puis il me dit. « Check, C'est des décisions vraiment tough. Il dit en passant, félicitations, man. Quand on t'a signé au début, je vais être bonne ben avec toi. Je pensais pas que tu t'étais rendu jusque-là. Tu okay. t'étais rendu jusqu'à la fin. Tu okay. t'es démarqué, tu as fait ta place. Reste prêt, train toi mm -hmm. Je t'ai dit, des très bonnes chances que tu reviennes. Okay. Je dis, ok. Fait que là, euh, finalement, je m'en vais. Tu sais, je, la, je gobe la pilule. Tu sais, euh, il donne je... quand même de l'espoir. Ouais, puis après ça, je veux pas, j'appelle mon agent tout de suite. Pis, euh, fait que là, mon agent il se met sur le téléphone, commence à faire des appels. Puis, euh, fait que là, il, mais, il appelle, puis il y a bien des équipes qui, euh, qui, qui, qui étaient un peu surpris de la nouvelle ou euh, qui étaient comme. Euh, qui donnaient de l'espoir à mon agent aussi, qui disait non, non, on continue. Fait qu'il dit, il y a des blessures, ça arrive vite, on a besoin de Canadiens, bla blablabla. Fait que là, en tout cas, euh, là, la saison commence. Moi, je continue à m'entraîner. Je suis prêt à, à si jamais je repars puis là fait une semaine passe, deux semaines pause trois semaines pause ok une coupe de semaine pause là je vois que les alouettes il y a un il y a un fullback qui se blesse je suis comme bon crime, tu sais c'est peut-être ma chance là. finalement je vois qu'ils ont signé un, un, une patate là un pingouin <laughs> là de... je me souviens plus d'où qui venait là mais il se <laughs> dit ah oh, non je suis... même les même les gars ils m'ont appelé étant un beau maudit, J'ai pensé, quand on complète avec pas, oh, je me suis fait proche ouais. des gars. Pis les mêmes, je leur parlais après, j'ai dit, j'en reviens pas qu'ils ont pris ce gars-là. Mais ben. émotionnellement, pis, euh, dans ta tête, à toi, cette place-là, tu revenais. Tu sais, comme exemple, c'est une patate, comme tu dis, qui a pris cette place-là. Ouais. Dans ta tête, tu as refait cette place-là. Mais oui. Puis je suis en beau maudit aussi parce que hein, l'ambiance qu'on avait, c'était fou. Man... First, en plus, notre coach de ma position, c'est coach Bolduc. Ce coach-là, c'était l'ancien head coach du Var et or OK. On était trois fullbacks du Varéor, puis Jean-Samuel Blanc qui venait des Carabins de Montréal, mm -hmm. qui jouait. Mm -hmm. On était le seul meeting dans toute la ligue qui se donnait en français. C'était okay, ouais. fou, le genre. C'était oh, ouais. vibe, là. En tout cas, c'était juste incroyable comme expérience. Puis mm -hmm. on que là, de revoir, ah, ça a comme tout cassé. Puis je veux pas, c'était à Montréal, tu sais, C'était malade, là. On était une table au complet, là, devant le de juste de gars qu'on avait tous joué contre. Ouais, là, des ça, gars du Rouge et Or, des gars de... des de Carabins, des gars d'un peu partout. Puis... On se connaissait tous un peu aussi, c'était vraiment cool. L'expérience on... à, à, aux alouettes, il y, y, y en a des joueurs québécois dans toutes les équipes, Je parlais de mes amis à, ailleurs, puis il y en avait, mais aux alouettes, c'était le top. C'était oh, fou, c'était vraiment cool. Pis, oh, ils ont dit, ça, ça m'a brisé le cœur de voir quand ils ont signé l'autre, qui a dit que okay, non, moi, je pense que mes chances avec les alouettes, sont... c'est terminé. Okay. Ils, ils ont sûrement tourné la page, puis c'est facile là-bas. Là ça ne prend pas deux secondes. Que... Ben, c'est c'est que que pis... exemple. Euh... Il y a des jeunes aussi qui te rattrapent, tu veux, veux pas? Là. Ben là, on est encore dans la même année, dans ma okay. première année. Okay. Mais là, mon agent, il, me dit, il continue. Il hey, était comme, non, je te dis, je leur parle, je reste une touch, man. Il, il y a d'autres équipes d'intéressés. Il y a Toronto qui m'a parlé. Il y a, okay. euh, les Hamilton sont, sont, sont forts. Il, lui, il m'appelle puis il me garde au courant. Puis, en tout cas, il y avait d'autres équipes qui, qui étaient dans, dans… Il y a Saskatchewan aussi qui restait. En tout cas, j'étais comme encore dans, dans la game. Je continuais. Oh, Mais là… Je me suis dit après là, un mois, que la saison a commencé, un mois et demi, puis je m'entraînais fort, tu sais. étais quoi? T'es en septembre, genre? Euh... Là, on est rendu en... Ouais, là, rendu à ce moment-là, non, on n'est pas en septembre encore, on est pendant l'été. OK. Fait qu'on est comme en... À où? Juillet, à août. Mais c'est ça, la là, c'est que là, moi, la... la... la session d'école à l'arrivée, là... Elle arrivait, là. Okay, puis pas moi, j'ai mon... okay. pas fini mon bac, okay. Okay. fait que okay. je me dis... Okay. J'avais des décisions à prendre. Okay. Okay. Je continue à m'entraîner, je retourne à l'école. Oh, Qu'est-ce que ouais. je fais? man okay. J'étais comme dans un gros. Tu des décisions importantes. Oui, exactement. Puis je me souviens dans le temps, j'en parlais avec ma blonde, euh, on soupait. Puis comme que j'y en parle, comme je dis, je continue dessus, ou je, je mets tout mon focus sur l'école, je tourne tout ça à la page, comme qu'on en parle, téléphone sonne, puis je vois, c'est Hamilton. Je comme, oh. <laughs> je réponds, tu sais. C'était Drew Allemagne, le, le GM dans le temps, qui, je pense, c'est encore là. m'appelle, il dit, hey, il dit, OK, on est mordi aujourd'hui, là. Il dit, on a un gars que s'il n'est pas en forme jeudi, tu prends l'avion, petite tu descends, tu t'en à Hamilton. Okay. Parce que c'est une histoire de paperasse, là, mais ce gars-là, il était sur Seven Games. En... S'il ne revenait pas le jeudi, fallait il fallait qu'il le mette sur Injury Reserve. Il a manqué un canadien dans, dans, dans le mix. Okay. Je prenais l'avion, je partais, je m'en à Hamilton. Puis je voulais tellement aller à Montaigne en plus parce que eux, c'était une équipe qui a leur backfield. La position running back, ouais. elle était canadienne. Okay. Ma position. Oh, ouais, ouais. Ça, c'était une position canadienne. Ouais, oh, ok, je comprends. Puis il y avait des gars dont Chantal Morlington qui que je jouais contre au carabin, que lui, était rendu là. Puis euh, d'autres, en tout cas, ah, c'est là que je voulais. Si j'avais une place où aller, c'est là que je voulais aller. Puis c'est eux qui m'ont appelé. Fait que là, je suis comme ok, parfait. Je raccroche. Tu penses-tu? J'ai cancelé le souper, je suis allé courir. J j allé, allé préparer, oh, ça ouais. peut, je suis allé me préparer. C'est ça que je j'ai même appelé jeudi ah, le gars est revenu. Ah. Euh, mais reste prête. Là, là j'ai compris que non, non, je suis encore dans le game. j'ai des bonnes chances de repartir. Fait que euh, finalement, j'ai quand même décidé de m'inscrire à l'école. Il okay. m'a dit worst case, je cancèle ma session. Puis euh, Fait que j'ai continué à m'entraîner, j'étais retourné à l'école. Finalement, cette saison-là, je me suis pas fait appeler. Après ça. Euh, la Après ça... Il y a une couple de mes amis qui m'appelait et Viens jouer une game avec nous, civils, ça va être le fun! J'étais pas sûr, c'est un peu bric à sais je vais pas prendre de chance de me blesser Mais en même temps, c'est le bout j'ai pas joué. J'appelle mon agent, je lui demande ce qu'il en pense. C'est que tu t'entraînes, mais tu joues plus. Non, c'est ça. Puis tu peux pas pratiquer jouer au foot, en dehors d'être avec une équipe. là, je parle je parle à mon agent, il dit Tu quoi? Va, va jouer, là. va, va te décrasser, va te remettre dans le bain, ça va te faire du bien, je pense. puis Oui, c'est un risque, mais en même temps, tu sais, tu n'as plus grand-chose à perdre. Je qui est parfait. Puis je suis retourné, j'ai joué deux games avec eux, je pense. Puis j'ai eu un coup de casse comme que j'ai eu toute ma vie là-bas, mais ça a été le coup de casse de trop. J'avais déjà un bon CV de commission. Oh ouais. Comme je peux même pas dire combien j'en ai eu, tellement ouais. j'en ai eu. puis euh, celle-là, c'était celle qui a fait déborder le vase. C'était la, la commotion de tout. Est-ce que, exemple, euh, tu as fait euh, du football au secondaire, euh, puis euh, Cégep, est-ce que dans ce temps-là, les commotions, surtout que quand tu es jeune, est-ce qu'ils euh, il il en parlait de ça ou c'était quelque chose qui... Vous... Okay. début. pour au début. Pour début. secondaire, non. Euh, cégep oui. non plus. Puis, veux, veux pas pas, ton casque, un arme. Là, comme. Oh. Si tu t'en sors, là, tu vas faire des gros hits. Tu peux, tu peux vraiment faire mal à quelqu'un, mais le problème, c'est que tu te fais mal à toi aussi. Mm. Mais sinon, ça faisait ça fait comme partie de la game à ce temps-là. Puis au début, quand je suis rentré à l'université aussi, c'était pas tant. Pis surtout quand tu es jeune, pis surtout là-dedans, c'est que tu veux faire ta place. Fait que ouais. Tu penses pas aux conséquences. Là, tu fais que... Exactement. Puis euh, à la fin, euh, pendant que je suis à l'université, il y a un gars de l'université Bishop qui avait poursuivi l'université. Parce que lui, ça avait, il y avait une commotion, puis ça avait vraiment été grave. En fait, lui, il avait eu une commo pendant la game, ouais. puis son coach a dit Non, non, es, c'est pas vrai, euh, maman, nanana, tu retournes, ah, je t'ai ouais. besoin de tout, faut que tu rentres. C'est non, j'ai mal à la tête, il faut. Puis il est rentré, puis là, il a aggravé sa commotion au point qu'il ne plus jamais remettre un casque de foot. Puis ça a eu des répercussions vraiment négatives sur, sur sa vie. Ouais. Fait que lui, lui c'était. c'est comme Là, c'est là que les écoles ont fait genre, OK, wow, peu là. Whoa, tamper, là. Il y a quelque chose de grave. Puis je pense qu'il avait gagné en plus. L'université okay. a été obligé de débourser. Ah ouais. Puis, je ne me souviens plus trop comment ça a fini, mais en tout cas, ça. Puis là, on a, on a commencé à en entendre beaucoup plus parler au, au niveau de la NFL. Il y a eu le film Commotion qui est sorti. Okay. Le gars de de que lui, il a eu une commotion, il a, il a, il a gagné son, son cas contre l'université. Donc ouais. là, les, les universités à cette heure, ils. Ils ont commencé à plus regarder Ben, à faire beaucoup plus attention. Ouais. Au courant de ce qui ça se passe. Là, le film Commotion est sorti. Fait que le côté de la NFL, il y avait eu commencé à avoir beaucoup plus de. De, 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 de là, il était dans l'eau chaude. Là, ouais. Puis euh, nous, on était à la première université à Sherbrooke qui ont commencé à mettre des sensors dans les casses. Okay. Pour, euh, ces sensors-là, ça me, mesurait la, les forces d'impact okay. en force G. Puis quand tu arrivais à un certain niveau de de, 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 de force, d'impact, il y avait une alarme qui apparaissait sur l'iPad du, du physio. Okay. Fait qu'ils voyait pendant le game si tu avais mangé un gros coup ou whatever, parce que souvent, l'adrénaline ne te rend pas trop compte. Fait que là, lui, ça lui permettait d'aller voir ou dire au coach, « Yo, coach, faut-tu sortir de ce gars-là? » Puis là, il venait, il l'évaluait, évalué il regardait, puis souvent, il était comme, « Non, non, on te sort. Ou, »« OK, oui, il est correct. Ouais, » Mais, mais... c'est quand même bon, ça, que ouais, la technologie… Ça, euh... ça s'en allait par là. Okay. Puis c'est là qu'on a réalisé aussi là, les forces d'impact. Ben oui. Elle, il disait, là, une heure, là, un des, 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 des joueurs de ligne avait eu un, un, un impact tellement fort, là, que, euh, il est allé voir en forger qu'est-ce ça, que ça valait ouais. puis c'était comme un impact là, de face-à-face de, -face de char qui roule à, je me souviens plus combien de kilomètres on l'avait dit là. mais c'était de quoi d'incroyable c'est pas un sport de doux <laughs> c'était quand même <laughs> violent le foot, là, là dans le fond tu es en train de me dire que mettons, au fil de ta saison tu vis euh, une coupe d'accident de, de char oui ouais. après une game tu as l'impression d'avoir un accident de char d'avoir fait des tonneaux j'avais uh -huh. la, la misère de sortir de mon lit uh -huh. c'était fou là puis euh, mais c'est ça puis là quand quand j'ai joué civil, j'ai eu la, la commotion qui est de trop puis quand tu joues civil, c'était tout quand même équipé là. Ouais, c'est équipé puis tout. Ouais. Mais c'est juste pas la même ligue. Ouais. Euh, vraiment pas la même ligue. Puis euh, je je me sentais pas bien après, j'ai comme arrêté de jouer. Puis j'ai été légume pendant comme quasiment une semaine et demie après légume là, comme c'est pas un état d'esprit le fun, genre uh -huh. j'étais là mais j'étais pas là, c'est difficile à expliquer là. C'est comme si 50% de mon esprit était là. Mm -hmm. Si tu me parlais, je te de réagir tout ça, mais s'il y avait rien qui se passait, j'étais juste dans la lune. c'était vraiment pour vrai là. C'était vraiment pas cool, tu sais. Mm -hmm. Je souhaiterais même pas ça à mon père ennemi là, t'sais. bon, peut-être. Je... <laughs> 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 mais en tout cas c'est vraiment puis c'est là que j'ai fait comme ok waouh là je pense que je suis allé trop loin je pense j'ai je, je savais là ça faisait longtemps que je savais que c'était pas ma première puis que ça pouvait être dommageable puis j'avais juste tout le temps à fermer les yeux là-dessus puis oh, ouais. c'était comme un couteau de double tranchant moi dans mon cas moi c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon mais je me remettais vraiment vite d'une commotion okay. après une semaine j'étais top shape je retournais puis je, je repartais là. Mm -hmm. fait que c'est pour ça que je dis que j'en ai eu je sais pas combien mais là celle là ça a été celle de trop puis je ne pouvais plus jamais remettre. Quand je me suis réveillé de cette semaine et demie-là, là, ouais. je capotais. Je me couchais le soir, j'étais de même, je me réveillais le lendemain, ça ne va pas changer. Oh, ouais. Je, ouais. je collé off à la job. Je... Ben c'est plus, plus là. cool. Là. Oh. Non, non, c'est vraiment pas le fun. Même même que... J'imagine que tu te demandes si tu vas rester de même. C'est ça. ça. Ah. Pour vrai, là, je, me... je me suis posé la question. Là. Ah. Mais si... si je reste dans cet état d'esprit-là, je ne sais même pas si je me rends à 30 ans. Oh, ouais. Puis j'avais quoi, 25, 26 dans ce temps-là. Okay. j'étais En tout cas, je n'étais pas dans un. C'était vraiment, vraiment pas le fun, ce qui se passait. Puis quand je me suis réveillé, là, après comme une semaine et demie, là, je suis revenu normal. J'ai appelé mon agent. J'ai dit, excuse-moi, gros. Moi, c'est là que, que, que j'accroche mes crampons. T'as passé, passé la santé là, avant. La... Oui, puis c'était comme un no-brainer. C'était facile ouais. comme décision à prendre parce que c'était ça, c'était ma santé là, ouais. sur le long terme. Puis, puis j'ai eu des... des, 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 des c'est fait secondaire vraiment pas cool pendant ouais. comme deux ans après ben, c'est un, un aspect négatif mais en même temps est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif dans le sens que si tu t'arrêtais à ta pleine capacité puis que ça serait pas arrivé c'est le là déclencheur euh, t'aurais trouvé ça plus dur parce que là avais une raison de dire moi j'arrête puis puis j'ai une bonne raison d'arrêter tandis mmh. que si exemple tu t'arrêtais à ton maximum puis en fait ben finalement Isaac c'est pas ton tour ouais. là ça été été peut-être plus de désastreux pour toi là. ouais oui puis pour vrai si pas de ça j's... J'aurais continué toute ma vie à essayer de me rendre là. C'est mon rêve. Ouais, Puis j'étais là. Je ne pouvais pas être plus proche que ça. J'ai oh, ouais. goûté, j'ai pris l'avion, j'ai été là. Tu sais. oh, ouais. fait, que... fait que là, à ce moment-là, tu as presque fini ton bac. Euh, ouais. Puis à ce moment-là, tu sais quoi, je suis stressé en tabarnouche d'avoir fini mon bac avec une tête de même. Là. Oh, ouais. Parce que c'est un bac en finance à la fin. C'est corsé. Oh, là. Ouais. Ça brosse. T'sais. Fait que j'avais besoin de toute ma tête. Là. Fait que là, tu as fini ton bac. T es ouais, j'suis encore j'suis venu en à bout Je de... suis venu à bout de le finir pareil. Là. Quand c'est parti, parti j'ai eu plein de de choses pas nice après. Là. Okay. Une petite, euh, mon père, il me donne une petite taloche sur l'arrêt de la tête. Je suis sonné pendant deux jours. J'avais ah ouais. la tête super sensible. Okay. Là. Vraiment. Là. Puis des fois, je m'endormais le soir. Je me réveillais le lendemain. C'est comme je n'avais pas une convention pendant la nuit. Okay. Est-ce Est assez... que ça jouait beaucoup sur ton humeur aussi? Pas tant sur mon non. humeur. Non. Il y en a, tu sais, la lumière, le son. Ouais. Moi, c'était pas ça partout. Okay. C'était okay. vraiment... J'étais comme... Euh, mon cerveau était juste comme dans la brume. Okay. J'étais comme pas là. Okay. Je me sentais comme buzzé. Genre. Oh, ouais ça à consommer mais tu fais rien puis euh, ouais. tu te lèves tellement ouais puis de quoi t'es pas le fun à consommer pendant là Tu t'as aucun, aucun <laughs> plaisir là dedans là. fait que euh, non c'était vraiment pas cool fait que c'est là en tout cas c'est là j'ai accroché mes crampons c'est là oh, ouais. j'ai dit c'est terminé puis après ça m'a pris deux ans là je te dirais mais que j'ai vraiment eu peur mais après ces deux ans là j'ai tout le temps resté sensible il y a des sports que je peux plus faire j'ai voulu essayer de me, me remettre en forme pour jouer au flag ouais. football puis juste le fait de, de courir okay. à haute intensité ouais. Si moi, vraiment, j'ai le sang qui pompe fort pendant un certain nombre de temps, à, à la tête, à un certain rythme, je suis un... Ça, ça me repogne. Ah ouais. Je ressens les symptômes. Fait que je peux pas… Il faut vraiment que je fasse attention aux activités que je fais. Ça ah va me suivre le restant de mes jours. j'ai changé de sport. Je me suis inscrit au volet où J'ai trippé. Est-ce que j'ai trouvé d'autres sports que je ah pouvais ouais. faire à la place. Mais il a fallu que je m'adapte. OK. Puis là, finalement, tu as réussi à finir ton bac. Oui. Là, après ça, euh, suite à ton bac, tu es retourné à Noutaouais. Oui. Puis là, es, c'est là que tu es rentré au Charles Pop. Exactement. Tu réalises cet été-là. Oui, c'est ça. Puis au début, ça se posait une job de transition, de changement de ville. Oui. Parce que je suis parti de Sherbrooke, je suis allé chez Chauvenet à Gatineau. Puis euh, finalement, je suis tombé en amour avec la place. Super belle place, à l'entrée du parc de la Gatineau. Le, le, juste l'ambiance dans cette place-là, l'humeur des gens, okay. c'était vraiment quoi, de, 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 très le fun. Puis quand ils m'ont offert. Euh, un poste là-bas. Je pensais pas que ça allait être ce poste-là au début. Là. Puis euh, fait m'ont dit non, on aime ça beau travailler avec toi. Moi je suis très peu travailler avec eux. Ils m'ont dit « non, on veut que le poste de directeur de la place. j'ai accepté. Euh, C'est ça. Fait que ça fait quasiment ça fait pas un an encore, mais fait une coupe de mois là, que je suis rentré dans mes fonctions. C'est mm -hmm. sûr que ça a été spécial un peu avec toute la, la scène du COVID. Oui. Puis comment que au Chelsea Pop vous, vous réussissez à, à, à réussir à, à rester en vie avec la, la COVID? Euh, ben, on s'est transformé en take-out livraison. Mm -hmm. fait que, euh, ça marche quand même bien, même si ben, ça, ça doit être moins que d'habitude, mais quand même. Pour la situation, on se débrouille pas pire. Ouais. Mais c'est rien à voir. Ouais. Rien, 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 rien à voir à ce qu'on ferait d'habitude. Ça vous maintient en niveau de survie, mais tu sais, jamais comme. Oh, encore long. En tout cas, c'est. C'est pas une situation de fun pour aucun restaurateur ah non, en ce moment-là. Puis surtout vrai. des grosses places. T'sais. Nous, c'est un gros building comme ça. C'est pas fait pour rouler à du take-out. C'est fait pour être plein. En de... plus, tu sais le Chess Pub, c'est plein. Genre, 7 jours sur 7. Là. Durant l'été. ouais Puis ce qui, ce qui, la raison pour laquelle les gens vont se déplacer au pub, c'est pour l'emplacement, l'ambiance. Là, tu n'as qu'à t'enlèves ça. Tu sais n'as plus pas tout la même. Wow. Alors, tu viens de finir le ski ou tu viens de finir ta de vélo. Tu peut-être t'installer au bar, prendre une bière, tu sais, ou. Mais là, tout d'un coup, t'as plus cet aspect-là. Fait non, que sure. c'est ça, c'est pour ça que le pub a mangé une claque. Ouais. Le biscuit, ça s'en sort mieux, Est-ce que vous pouvez vendre l'alcool TK euh, C'est touché. La SRQ avait dit qu'on avait le droit pour le premier confinement. OK. Euh, fait que c'est comme zone grise encore, là. OK. Fait que. Euh, euh, on l'a fait le premier confinement. OK. Puis sinon on continue à, à tout ce qui est nourriture, tout ça. Puis on, on a trouvé d'autres produits euh, comme les boîtes. Euh, on fait des boîtes, mettons, de pays qui de, de provenance différente, mettons, de, de style de, de, de nourriture. Okay. Boîte pour deux personnes que notre chef concocte. On a vraiment un bon chef. Là. Fait que. Fait euh, vous essayez d'innover un peu, faire des petits concepts. Ouais, il fallait, euh... on n'a pas eu le choix de s'adapter, oh, ouais. changer tout il fallait rentrer on est rentré à iFood Shop qui est comme une plateforme en ligne que tu peux commander directement là mettre notre menu là adapter notre menu euh, puis là c'est plus la même demande hey, c'est nous ça, on a changé de fonds en compte. Là, on était une place que tu venais pour l'ambiance l'endroit d'un coup t'as plus le droit à l'ambiance plus le droit à l'endroit c'est ben, à pas pour venir chercher ta bouffe, mais on oh, ouais. sais les revenus sont, sont moins qu'avant puis en plus euh, tes dépenses sont les mêmes Je veux dire, ton cuisinier tu le payes quand même Oui, c'est sûr qu'on essaie de les contrôler le plus possible puis de diminuer les coûts mais il reste que T as quand même beaucoup de billes à payer tu sais, oui. parce que pour pouvoir rester ouvert tu sais. oh, ouais. puis c'est tout un setup qui est fait pour accueillir beaucoup de gens puis là tu d'un coup as vraiment putain c'est 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 pas facile hein. oh. fait on s'adapte comme que, qu on peut mais surtout que comme l'été c'est en plus on n'a pas eu tu sais quand même on a eu un petit break là, de, de covid quand même là. il ouais. y a quand même eu mais là en ce moment c'est le temps des fêtes après ça le temps des fêtes as le mois de février qui est dans la restauration c'est mort raide. de c'est rough. c'est ça qui est tough aussi tu fait que là on est supposé rouvrir là ils disent 11 janvier wow. rien de voir là ouais. c'était supposé 28 jours au début puis là on est encore là dedans ouais, je ça. comprends que c'est pour des, des raisons de, de santé publique tout ça puis ok je comprends ce bout là mais c'est juste que là ça commence à être tough là. ça commence ah, ouais. à être rough, puis ça nous a fait du bien de pouvoir réouvrir. On s'est adapté aussi, rendu là. On a ouvert une nouvelle section euh, qu'on avait sur notre terrain pour pouvoir agrandir la terrasse pour accommoder toutes les normes de, de la santé Sept publique là, pour euh, le 2 mètres, le, le masque, le, toute la patente. Fait on on s'est adapté. Mm -hmm. Puis, euh, oui, au moins, on fait rouler, là. au moins, on fait travailler. Oh, ouais. Même si c'était le masque, les lunettes d'en face, au moins, tu peux être là. Euh, c'est le jour et la nuit comparativement au take-out. Ouais. Fait que j'ai tellement hâte de retourner dans ce cette... Puis de revoir la gang, tu sais. C'est ça qui est plate aussi. Là. Il y en a une table en de gang qu'il fallait envoyer sur l'assurance-emploi. Ouais. En que... Parce que là, on n'a pas de la même demande qu'on avait. Puis encore là, en plus, nous, le temps plus, un peu euh, moins achalandé de l'année, c'est entre le, le, le coloris autonome. Des, des feuilles là, oh, qui ouais. est, du parc de la ah, c'était même, est... même pas à l'arbre. Moi, j'étais à Valdor ouais. durant ce temps-là. Je pense que j'ai attendu euh, une heure et demie juste à essayer de, de m'en aller sur l'autoroute. Ah non, c'est fou. Là. Ah non, ça, c'est un gros temps d'année. Puis, euh, entre ça, puis, euh, quand il commence à avoir de la neige, puis que là, euh, il y a Camp Fortune qui est proche, il y a le parc de la Gatineau qui font tout ça. Entre ces deux périodes-là, c'est comme là, le, le petit creux qu'on a d'habitude. C'est quand ça? Euh, en, en, so en ce moment? Fait que, ouais, là, ça commence à reprendre un peu parce qu'il y a eu un peu plus de neige. Ouais. Mais entre, je te dirais, là, comme début novembre, puis jusqu'à temps que le ski commence, jusqu'à pas mal là. Ouais, ouais. C'est comme le petit creux qu'on a d'habitude. Puis, ouais. euh, euh, puis là, en plus, on était en mode take-out. Ouais. fait que ça, c'est pas facile. Parce que, que, mettons, en temps actuel, là, le Chelsea Pop, justement, ça roule à, à cause du ski. Mais fait que, toute la longue hivernale, ça roule bien après ça t'as as, l'été qui s'en vient puis le monde font la terrasse euh, le monde ah, du vélo à Chelsea le parc de Gatineau les plages là. ah non dans la région c'est le spot là, ah, ouais, je, ouais. Je, en fait c'est pour ça que je me suis ramassé là je, je me suis dit si où j'aimerais aller travailler j'avais un papier CV d'accumuler mettons avec ouais, les années pour ouais. tout ce qui était service à la clientèle, restauration puis tu, ça, à la première place j'ai pensé tu sais il y a bien une place qui roule c'est là c'est pour ça que je me suis ramassé là ouais. d'habitude à l'année longue cette place-là est occupée euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est dans le fond, toi, tu as fini ton bac en administration euh, en finance, ouais. spécialisation en finance. J'aimerais ça savoir, une fois que tu l'as fini, euh, est-ce que sur le marché du travail, tu vois que la théorie que tu as appris à l'école te sert euh, dans la vraie vie? Ouais, oui, pas. pas c'est sûr que c'est une portion là, de ce que j'ai appris, puis pas juste la branche finance, de, de tout, parce qu'on touche à toutes les branches là, quand ouais. tu ton bac. Fait. C'est là que j'ai vu que. il y a bien des affaires que j'ai vu aussi que je me disais Bon, à quoi ça sert, ça? Moi, mon Dieu, j'avais l'impression de perdre mon temps. Ouais. Mais quand tu arrives dans la vraie vie après, c'est toutes des choses qui ont l'air simples, qui ont l'air logiques, qui ont l'air, c'est sûr que tout le monde fait ça, mais là, tu arrives dans la vraie vie au, dans une entreprise au privé. Ouais. Que là, en plus, tu te mets dans une situation où tu as du pouvoir d'instaurer ce que tu, ta façon de faire tout ça. Ouais. Puis que. Puis c'est un peu, c'est libre à toi, c'est toi qu il faut que l'installe. Tu pars de pas grand-chose, il faut que tu mettes une structure en place. Ouais. Fait que je te dirais que, mettons, l'université te donne une certaine structure. Qu Habituellement, qu ouais. quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, il peut il peut réussir, mais ouais. il y a quand même une certaine structure qu'il n'y a pas. Oui, non, c est, c est 100 Puis une bonne structure, puis c'est ça qui est long un peu de l'université, c'est que tu vas voir, ou même du cégep, c'est que tu vas voir toute la structure. T'sais. Même des phases qui t'intéressent moins, ouais. mais tu la vois type dans la vie, où, tu vas peut-être pas te servir de toute cette structure-là, mais au moins, tu sais qu'elle existe, ouais. tu sais qu'elle est en place. Ben, tu sais comme... à quoi qu sert. Une ouais. fois que tu arrives là, là, ouais. là, je me souviens, mais moi, je, je détestais les cours de ressources humaines, tout ouais. ça. Ouais. Ouais. C'est ce que j'haïssais le plus. Puis J'arrive dans, dans la vraie vie, puis je réalise que c'est ce qui prend 90 ah ouais, de mon exactement. temps. exactement. Dans la vraie vie, c'est ressources humaines puis la, la relation avec ton personnel. Ouais. C'est ce qui est le plus important. C'est fou. C'est fou, puis genre, toutes les, 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 les petites choses que je pensais qui étaient donc Évidente. Puis sur papier, des fois, là, ça a l'air tellement facile, là. mais appliquer une décision que tu vois sur papier d'habitude, que tu coches à une place ou que tu mets telle. Mais dans la vraie vie, c'est plus juste un, un simulateur que tu dis que tu veux faire ça, 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 ah. ça le fait, ça demande le résultat. Mm -hmm. C'est OK, tu veux faire ça, ça, mais là, il faut, faut, faut que tu appelles du monde, il faut que tu le dises, il faut que tu parles à ton équipe, il faut mm -hmm. que tu le mettes en place. C'est bien plus large que juste ce que tu vois. Au moins, tu vois le big picture, tu comprends le, le setup, mais en, dans, après ça, dans la vraie vie, c'est là que tu réalises que. L'école, la théorie, c'est une portion de la chose, mais tes skills sociales à toi, puis de comment tu es capable d'interagir de, 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 avec le monde, c'est la plus grosse portion de la chose. Là, t'sais. Oh, ouais. Les deux, ensemble, font en sorte que tu vas être capable de te débrouiller ou pas. Tu es une personne complète. Mais c'est fou à quel point que tu as besoin des deux. Là, ouais, exact. Que L'école, c'est important. C'est un bout que si tu n'y vas, vas pas et est quand même tough à combler, oh, ouais. oui, l'expérience de vie tout ça c'est 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 ça, va te prendre ça plus de, de temps. Te temps c'est ça exactement tu vas, tu vas juste l'apprendre par toi-même ouais. puis l'école ça va te faire faire tu sais plus de raccourcis où tu vas arriver à la même une situation tu vas te dire ok oui j'ai déjà vu cette situation là puis tu vas savoir un peu plus comment t'y prendre puis c'est surtout le langage le langage là mettons, moi du côté financier apprend le langage financier mm -hmm. ouais. le langage des ratios de qu'est-ce que ça veut dire ouais. de comment c'est calculé de à quel point que ça, ça définit l'image de où ce que ton entreprise est rendue. Ouais, ouais. Parce ça, moi est que, ce que je trouve c'est que exemple, moi ce que n'aimais pas c'est la comptabilité, ouais. mais il reste quand même que quand je vais voir mon comptable, je sais de quoi qu il parle. Oui, exactement. Il y a, y a des, ok, je connais à la base, je sais de quoi tu parles. Même chose ouais. en finance, puis même, même chose maintenant en marketing. Mm -hmm. euh, là, il y a une parenthèse qu'on n'a pas parlé puis j'aimerais parler, puis après ça j'aimerais ça parler du leadership plus dans le sport versus euh, ouais. les affaires. Mais Une parenthèse de, de ton expérience qu'on n'a pas parlé, puis c'est, euh, je pense, c'est pendant ton université ou slash euh, entre le Chelsea Pub et ton université, c'est que tu avais un projet euh, quand que la Mar marijuana est devenue euh, légale. Ouais. Tu as, as, as eu un projet. Euh, Explique-moi un peu, c'était quoi le projet Puis j'aimerais ça que tu me dises euh, qu'est-ce qui s'est passé. Ben, pas qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ouais. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé grosso modo. Puis. Euh, L'expérience que tu as acquérie par rapport à ça? Quand la légalisation euh, de la marijuana est arrivée, euh, à même nos yeux, c'était sur le coup, euh, le gouvernement avait sorti différents euh, types de permis de production. Mm -hmm. Un qui était de le, le license producer, ça c'est à, à grande échelle. Mm -hmm. Puis tu avais un permis de micro-producteur mm -hmm. qui est le même principe que micro-brasserie. Okay. ton micro versus euh, la batte. Ou, fait que euh, nous, euh, avec un de mes amis dans le temps, lui, il voulait. Euh, on voulait se partir là-dedans parce que lui, à cause d'une. Euh, il avait une maladie qui avait permis de pouvoir produire légalement avec Santé Canada. À cause Et de sa situation de santé, il y a eu un droit de produire euh, du pot pour lui. Ouais, pas. En tout cas, bref, là, pour. Ouais. Euh, le monde en a le besoin okay. pour. Euh, une petite production. Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, fait il ne pouvait pas produire dans, à l'échelle commerciale, mettons. Ouais. Puis, nous, on voulait appliquer pour le permis de microproducteurs. Mm -hmm. Puis, ce qui aidait beaucoup quand tu appliquais, c'est d'avoir quelqu'un qui avait l'expérience légale de production, qui est assez rare à trouver. Mm -hmm. Puis, quelqu'un qui avait un bac en administration, ça mettait beaucoup de poids dans, dans la demande. T'sais. Fait que nous, les deux, ensemble, on s'est dit, crème, on a tout ce qu'il faut. Fait que parti euh, Mary Jane Distribution Inc. Euh, Puis on s'était lancé là-dedans euh, à 100 000 Est-ce qu'à ce qu à, à moment-là, tu étais, oui. okay. étais encore aux études? Oui, j'étais encore à Sherbrooke. Donc là, c'était ton sport? Tout de suite après pro, en fait. Okay. De suite après le, les Alouettes, okay. okay. c'est là que je me suis comme plus... En... Quand je me cherchais une autre avenue, là, oh, pis quand ouais. j'ai dit à mon agent que c'était terminé, okay. c'est là que j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Okay. Puis euh, je sortais frais de l'université en plus, j'ai fini mon bac. Mm -hmm. euh, fait que moi, monter, tout, le, tout faire le montage financier, tout ça, euh, projection budgétaire, tu sais, je venais de sortir de ça, fait que je trouvais ça super cool. Puis oh, lui, il avait vraiment des, il avait des données de production, tu sais sur quoi je pouvais me baser pour vrai, tu sais, de la vrais données, là, tu sais, fait que... Fait que lui, son, son, euh, sa spécialité, c'est surtout sur euh, le pote en tant que tel, puis toi, c'était plus le côté admin, puis le exactement. côté euh, business. Lui, c'était production, moi, c'était côté affaires, tu sais, puis... Euh, okay. Ouais, exactement. Fait que là, euh, on est... C'est ça, on a apparti ça, euh, là, on y allait, là, à fond, les gaz, on avait... Ça allait super bien au début, on avait été la premier micro à se le faire approuver, par une, euh, une municipalité pour opérer ce type de permis. Ça, quand là Quand tu dis, la première micro, c'est au Québec, pas juste en Ottawa. Au Québec, oui. Okay. Euh, elle s'est fait approuver par une municipalité pour opérer ce, genre de, ce type de permis-là. Ouais. Euh, dans une municipalité. Mm -hmm. Puis euh, on s'était assis avec la ville, tout ça, il y avait notre projet, y avait, on avait été de l'avant, on avait réservé un lot. Euh, ça, tout allait super bien. Yeah. Oui. Exactement. Ouais. Okay. Puis euh, après ça. On était euh... après ça, en tout cas, ça, ça avançait super bien. Un des amis, mon père, et lui, il avait un permis de licence de à Terre-Neuve. Okay. On est allé là-bas pour qu'il nous avait tout montré, euh, toute sa business, tout comment il avait fait passer les critères de Santé Canada. Parce qu'il donnait les critères, mais il disait pas comment y arriver. Okay. Il dit, voici ce que je veux. Ouais. Débrouille-toi pour y arriver. Débrouille-toi pour y arriver. As un milliard de questions. Mm -hmm. Pas personne là-bas qui va te répondre. Faut que tu te débrouilles, puis c'est tellement implicat, c'est tellement un gros risque parce qu'il faut que tu. Comme faut que tu tout de prêt avant d'avoir la licence. Okay. Fait que là, eux, pour te donner, te donner la licence, ils viennent voir si tout ton établissement correspond à leurs critères. Mm -hmm. Mais là, quand toi tu essaies d'approcher des investisseurs ou quoi que ça, parce qu'il n'y a pas une banque qui va se mouiller les pieds là-dedans encore, là, c'est tout. Ça vient ouais. tout du privé. Fait que là, t'essaies de convaincre du monde à, à lancer de l'argent là-dedans. Mais là, ils disent « Ouais, mais t'as pas de permis. Qu'est-ce qui me dit que tu vas être, tu vas, tu vas être en mesure d'opérer? » Fait que là, c'était comme, là, comme un, un chouchou et la souris, ouais. là, tu sais, là. Comme euh, les Santé Canada veulent que t'aies tout d'installer Les investisseurs veulent, veulent que aies le permis avant d'investir. Mm -hmm. Fait que là, c'était comme, en tout cas, il fallait vraiment être solide puis faire un gros pitch de vente. Puis de... En tout cas, tes cours cool tout... de marketing, t'es bon, là. Ah! Pff, 100 000 à l'heure, là, puis c'est plus que ça, là. Fait. On avait fait un, un plan, en tout cas, on avait en fait monté un gros plan d'affaires. Mm -hmm. euh, puis ça m'a vraiment j'ai tellement appris de ce projet-là. Mm -hmm. de, de mettre en, 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 en œuvre tout ce que j'avais appris, de là, aller rencontrer des investisseurs à faire un pitch de vente, de, t'sais, t'sais, là c'était pour vrai. Là, c'était fou l'expérience que j'ai acquis de ce côté-là de ce projet-là parce que malheureusement je me suis retiré du projet oh. pour des raisons personnelles. Mais avant ça, euh, quand tu étais à Terre-Neuve, le producteur ouais. de Terre-Neuve, est-ce que lui il avait déjà commencé à, à faire affaire? À comme... Oui, lui il roulait. Bien, il n'avait ben, pas son permis de vente encore, mais il avait okay. son permis de production. Ça parce que, que il, deux produisait. Permis différents. il produisait. Oui, il produisait. Puis euh, C'est ça. Fait qu'on avait comme toutes tout les, les, les normes sanitaires. Là, de... Mais lui, il était là en sorte de mentor, plus qu'il était pas investisseur. Il était surtout en sorte de mentor. Mentor, okay. oui, exactement. On fait comme un deal, genre, Venez, on va tout vous montrer. C'est deux administrateurs qui n'avaient aucune expérience de pouce, qui avaient, fait, euh, avaient comme fait confiance à une, une entreprise de, de ressources humaines pour trouver, mettons, un producteur. Qui venait du, pas d'un milieu super euh, okay. le fun. Je sais pas comment ils ont fait de le rentrer, mais en tout cas. Oh, ouais. il, et puis, ils était pas il était pantoute. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est okay. du monde qui était pas dans ce monde-là, mais ils ont vu l'opportunité. Puis... D'affaires. Oh, ouais. Avec un background d'affaires. Oh, C'est ouais. un avocate. Lui, c'était comme un haut place au gouvernement. Puis, les deux n'étaient ils ils étaient pas dans la rue déjà. Puis, ils ont décidé de tout mettre le paquet là-dedans. Puis, de okay. foncer là, mm -hmm. euh, dans ce domaine-là. Ils ont tout monté. Côté administration, monter le projet. il était... A1, ouais. top notch. Mais côté production, il n'y avait aucune idée dans quoi qui s'embarquait. Okay. Puis c'est là que mon partenaire dans le temps, lui, il savait, lui, c'est son fort. Fait qu'il les a vraiment aidés de ce côté-là. Okay. C'était gagnant-gagnant. C'était du gagnant-gagnant, en fait. Okay. Puis plus Au début, c'était vraiment plus de bonne foi parce que c'est des bonnes personnes puis ouais. ils connaissaient les liens de famille et tout ça. Mais plus ça allait puisqu'ils ont réalisé, OK, non, eux, ils peuvent vraiment nous aider de... On peut prendre des conseils puis des façons de faire pour... Euh, ce qui est la, la, de tout notre côté production. Puis en échange, eux, ils nous ont comme donné des, euh, beaucoup de tips, puis beaucoup de, de conseils, puis bien d'informations concernant le côté administration, parce qu'eux, ils avaient passé au travers des normes. Eux, ils avaient été acceptés. OK. Fait qu'ils avaient eu le permis, tu sais. Oh, ouais. Ils avaient réussi. Ils savaient, personne ne sait trop ce que Santé Canada veut. Eux, ouais. ils avaient une façon de faire qui avait passé le test. Fait que c'était Nous, ça faisait votre place de suivre leur Exactement. Puis. En plus, en plus de ça, vu qu'ils savaient qu'ils voyaient qu'on savait ce qu'on faisait, ouais. eux ils étaient même prêts à acheter la totalité de notre production pour aller la revendre de leur côté. Fait que nous, on avait un plan d'affaires en acier dans le sens que on avait un terrain, on avait été approuvé par la municipalité. Euh, on avait toutes les plans du bâtiment, on avait une façon de faire qui avait été testée avant, qu'on savait qu'il fonctionnait. Euh, on avait des acheteurs qui étaient prêts à tout acheter notre production, qui avaient fait une lettre d'intention. C'est comme on avait un, un projet, là, je te dis, c'était en acier. Ouais, c'était sûr que ça allait fonctionner. Tu sais. Mais ça, vous avez, à ce moment-là, vous n'avez pas d'investisseur encore, c'est ça? Je comprends? Non, pas encore. Okay. Puis, euh, non. Puis là, quand il est venu à, à en trouver tout ça, ben, en tout cas, des, pour des raisons personnelles, puis oh, ouais. euh, je, moi, je, il a fallu que je quitte. C est, c est, c est... Ouais, des fois, en duo, il y a, il y a des divergences. Là. Puis en ce moment, ouais. c'est ça qu'il y a eu. Fait que là, euh, entre toi et ton collègue, ça a. Splitté. Ça splitté. Je, puis là de là aussi j'ai eu d'autres leçons d'affaires mm -hmm. puis euh, en tout cas je suis juste complètement sorti de là okay. puis euh, ça a été le meilleur move que j'ai fait là. mais à ce moment là il n'y a pas encore d'investisseur qui a mis de l'argent euh... pas à ce moment là non okay. après ça je suis pas au courant de ce qui s'est okay. passé parce que moi je me suis retiré okay. bon. euh, puis euh, c'est ça fait que mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup appris. Mm -hmm. C'était vraiment une belle expérience, tu sais, de voir que. Puis, puis de... En fait, ça m'a vraiment mis en confiance, moi, personnellement. Ouais. Parce que j'ai monté de A à Z tout le, 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 le plan financier puis ouais. de, de la patente. puis mm -hmm. Après ça, d'aller parler à des investisseurs, parler à d'autres gens. Puis quand même, qui parlais de leur... là, tu sais. Je veux dire, ça, avais quoi? 25, 26? 26? Puis tout le monde qui, qui me posait des questions par rapport à, à ce côté-là, puis il n'y a pas une fois que j'ai flanché, pas une fois que je pas sûr de mes choses, j'ai tout le temps répondu, tu sais, oh ouais. sur le piton, puis... Je savais exactement où je m'en allais. Ça, ça m'a un peu. Ça m'a mis en, en confiance parce ouais. que j'ai vu que je suis capable d'appliquer ce que j'avais appris dans la vraie vie. Parce que là, tu, toi, tu venais de sortir de l'école. Puis là, tu appliques. Tac, tac, Puis à tac. cause du football, je n'avais pas fait de stage. j'avais pas mmh. fait j'avais vraiment aucune idée dans la vraie vie comment ça se passait. Ah, je parce que souvent, des fois, tu étais au bac. Puis durant les étés ou même durant ta, tes sessions. sessions. La la du, du bac monde, tu fais. Pis ouais, tout ça, la ouais. plupart du monde sont soit dans stage ou soit qui ont un, un, un à côté. Puis ils travaillent dans le domaine qu'ils vont travailler plus tard. Mais là, toi, t'arrives, puis t'as poussé tout dans le sport pendant que tu t'étudiais. Ouais. Fait que t'avais pas l'expérience euh, des affaires. Non, exactement. Okay. Pas, pas sur le terrain. Pas sur le terrain. Fait que, okay. là, fait que là, ça t'a ça donné une confiance de « ben, moi aussi, je suis capable ». Oui. Puis ça m'a vraiment... Oui, exactement. Puis j'ai vraiment pris confiance. C'est ça que mm -hmm. j'ai le plus retiré de ce projet-là. C'est que quand ça vient au shift, tout ça, je sais de quoi je parle. Ouais. Puis je sais comment monter ce type de... De, 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 de plan, en tout cas, un plan financier, mettons, pour mm -hmm. une business ou pour... Là, c'est pour une business qui part. Mais ouais. là, après ça, quand je suis rentré euh, comme directeur aussi au Chelsea Pub, ouais. quand elle venait parler de chiffres, puis j'ai vu que c'était langage-là, je le connais. Puis, euh, au plan plus personnel, tu sais, comme ça, c'est un projet que justement, c'était le pote qui venait de devenir légal. Mm -hmm. Mais plus personnel, je me demande, euh, dans ton entourage, ta famille, puis... Euh, Comment ils ont pris ça que tu veux te lancer là-dedans? Ils ont, ont vu-tu ça du mauvais oeil ou ils ont vu non, non, mon fils, euh, c'est dans une bonne opportunité, puis il sait où c'est en ligne. Ouais, c'était vraiment touché, je te dirais. Parce mm -hmm. que je viens d'une famille qui n'est pas partout dans cette branche-là, mettons. Là, fait que... Mais ta famille est quand même. Euh... Mais vraiment à faire, là. Mais, ouais. mais pas, pas de drogue. Fait... Ouais, mais vous êtes fort dans le sport. Aussi, ouais, aussi. Puis euh, j -j -j ça a été. En fait... Mon père, il m'a avoué qu'il y a eu la discussion avec mon grand-père par rapport ah ouais. à savoir okay. à quel point c'est une bonne chose, je me lance là-dedans. Puis ah mon grand-père a dit, hey, tu sais quoi, il fait de quoi, t'sais? Il n'est pas en train de... Il n'est pas perdu chez les à se tourner les pouces. Hey, il pousse dans de quoi, puis il a l'écouté parler. Je pense qu'il met du temps, puis il met de l'effort. C'est quand même bon que ce soit ton grand-père qui ait résonné quand même ton père. Là, qui était un, une ancienne police dans le GRC. Oh. <laughs> qui... <laughs> fait que ça, ouais, non, c'était bon d'avoir ce, ce, ce petit... Est-ce que mon père était content de... Puis, c'est-tu ton grand-père du côté de ton père? Ouais, exactement, okay. le père de mon père. Fait okay. que mon père qui n'était pas trop sûr, bien, ils sont que ça le rassurait un peu oh, aussi. Ouais. Mais, en même temps, mon père est trippé parce que, tu sais, c'est mon père. Fait que j'en parlais... Ouais, puis ton père, il... il a quand même le côté affaire. Ouais. Puis, j'en parlais religieusement pis... J'avais des questions, il était, il était content de pouvoir me répondre. Puis euh, il voyait aussi que j'étais rendu profond dans, dans le sujet. Là, comme, oh. Puis pas juste nécessairement du, du pot, mais de. Mais toi, c'est le de, côté affaire. Le ouais, côté affaire ouais, que t'intéressait, c'est pas de, de fumer du pot. Non, là, non, je m'en foutais de Moi, ça. Moi, c'est vraiment le côté affaire. C'est un produit que tu, tu, tu produis puis tu vends. Oui, ça vient d'être légal. C'est comme si je me partais une, une brasserie. Une distillerie, un micro, une, oh, ouais. une micro-brasserie dans le temps que ça venait de tomber légal. C'est le même, même, même principe. Exact. Là, exact. Fait que, euh, ouais. Fait que c'était cool pour ça, là. J'ai vraiment appris. Puis euh, je de monter de... un projet de zéro à, à, tu sais, de A à Z. Ouais, de A à Z. Je sais pas si Exo, qui est une entreprise euh, de l'Outaouais, ouais. y a-tu rapport dans, dans la situation de. Ouais, ouais. Ah, puis ça, c'est un autre point que j'ai pas mentionné. Parce que me semble que tu m'en avais déjà parlé. De non, mais l'agronome qui avait parti Exo dans le temps. On a réussi, c'était comme le mentor de mon partner. Puis on avait réussi à mettre son nom dans le projet aussi. fait que Non seulement côté production, on avait quelqu'un de solide qui backait un peu ce qu'on faisait. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis qu'on a un projet, tu sais, de... en en acier. C'est un producteur qui produit déjà, qui vend déjà. Ouais. Là, il n'était plus avec. C'est ouais, lui qui avait parti la, la chose au début. Il était dans. En tout cas, c était, c était, ça, c'était cool. Puis, hein, je, suis allé chez, je suis allé chez le bonhomme, on a jasé dessus. C'était vraiment le fun, c'était cool. Là, puis, euh, euh, ouais, mais Exo, eux, c'était un exemple de licensed producer. Eux, c'était producteur à grande échelle. Ouais. Fait que nous, à petite échelle, tu sais, c'était. C'est pas la même production, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. les autres, c'est à grosse échelle, exemple. Ils ont fait un parallèle. Eux autres, c'est comme un, le labat du bot. Puis, vous autres, vous voulez faire une micro-brasserie de ça. Ouais, exactement. Okay. Puis, euh, lui. Je te dirais que c'est vraiment plus mon partenaire qui. Parce que moi, c'est plus ce côté affaire, oh ouais. Amène-moi un produit, amène-moi un prix de vente, puis euh, moi, je vais faire toutes les prédictions, les projections, amène-moi tes, tes, tes statistiques de, de, de production, puis moi, je vais pouvoir faire de quoi à partir de là mm -hmm. Le squelette de, 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 de nos projections, puis de montrer que ça vient des de, de chiffres réels, puis qu'il y a un produit fini qu'on a déjà à cause qui est un permis légal. Fait, en tout cas, fait que, ouais, non, c est, c est, cette expérience-là, c'était vraiment cool, c'est le fun. C'est. Ça s'est malheureusement pas fini comme que, que j'aurais aimé, mais bon, j'ai vraiment appris de ça. Puis ça, ça a quand même été, euh, ça a quand même touché ton, ton côté finance de ton bac. Oui. Mais en ce moment, sur pop c'est peut-être plus euh, le côté euh, manager, management, Oui, ouais, management. Mais oui, mais il y a quand même une, tu sais, veut pas. <coughs> oui, ça touche vraiment plus tout ce que j'ai appris, mettons dans mon bac. Ouais. Mais il y a quand même un aspect financier là-dedans, c'est. Puis l'aspect de ratio, mm -hmm. l'aspect de, 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 de. surtout de ratio. <laughs> okay. Ratio à suivre, que ce soit main-d'œuvre ou quoi que ce soit. Ouais, oh, ouais. oh, ouais. C'est sûr que c'est jamais. c'est tout mm -hmm. Puis euh, si on, on revient au sport, puis euh, j'aimerais ça qu'on fasse un parallèle entre le sport, puis euh, l'administration, puis le, les affaires. Et, euh, ben, tu serais-tu capable de faire un, un, un parallèle entre les deux Ah, 100 Ouais. J'ai. Oh, et... C'est fou à quel point que quand tu dans une position de. Il faut que tu sois les deux, il faut que le monde veuille travailler pour toi, il faut que le monde euh, te respecte, t'écoute. C'est fou à quel point je me suis référé à des, 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 des anciens coachs que j'avais eu, ceux que j'avais le plus respectés, ceux que j'avais vu qui avaient la touch. Mais dans le sport, toi, ton, ton leader ou celui que tu suivais, c'était ton coach. Ouais, lui ben, qui avait... En fait, j'en ai eu beaucoup de coachs, mais un en particulier. Là, mm -hmm. Un que j'avais au Cégep, ça s'appelle Denis Pichet, c'est mon. C'est lui qui était le plus important. Mon pour toi. role model. Okay. C'est lui que j'ai vu rapatrier tout le monde vers un but commun. Là, okay. Comme tout le monde. Mm -hmm. les, les, les plus intellos, les plus bums, les mettre tous dans le même bateau qui s'en est dans le même directeur. Ça a été celui qui l'a le mieux fait que le, de, du monde que j'ai côtoyé dans ma vie. Fait que c'est vraiment de lui que je reprenais toutes mes. Parce que c'est fou, dans un, dans un restaurant, tu toutes sortes de monde qui viennent de toutes sortes de backgrounds. Tu as des serveurs, tu as des commis, tu as, euh, as des cuisiniers qui ont pas souvent tout le même background. Il y en a qui sont un peu plus corsés que d'autres. Fait que là, de ramener tout le monde dans, dans la même direction, on a un but commun, puis faut travailler ensemble. Ouais. Pis, c'est fou à quel point je allé voler des. De, ben, pas voler, mais je me suis référé à des façons de faire que mes anciens coachs avaient. Avec Surtout ton... lui, lui il était tellement bon pour aller chercher quelqu'un qui était pas trop bon à l'école, qui était plus bon, mais qui était vraiment bon au football, puis de le faire embarquer dans le bateau, de le ah, faire, hein. faire comprendre que s'il voulait pouvoir mettre ses, 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 habilet ses habiletés en valeur, il n'y avait pas le choix de passer par l'école, il y avait pas le choix de passer par ce côté-là. Mm -hmm. Fait que, de prendre ce même. Uh, Mindset-là de l'amener au travail parce que ça reste un travail d'équipe pour uh, atteindre un but commun ensemble. Oh, exactly. Fait que d'aller chercher tout, c'est fou à quel point le football ça m'a aidé là, pour uh, tout ce qui travaille. Puis c'est drôle parce que mes, mes collègues dans, dans l'équipe de gestion, des fois, ils rient pas, pas ils rient de moi, mais ils, ils trouvent ça drôle qui qu'ils disent. Tu, sais, tu parles, tout à de coach Isaac, tu sais, quand même année, on, on a fait un gros meeting de cuisine, puis j'avais rapatrié tout le monde, euh, c'était comme un meeting COVID, on était à l'extérieur, euh, tout à, avec la deux m, puis tout ça, fait puis que là, je, là, je faisais mon speech d'entrée, puis de, tu sais, j'essayais de motiver mes troupes, puis, je, je, puis c'est vrai, je prenais tout, tu sais, mais veux pas moi les figures de... de que les points de référence que j'ai eu dans ma vie, c'était en lien avec le football. Ah, C'est ouais. sûr qu'il y avait un touch ah, ouais. euh, une petite ah, ouais. de football là-dedans. J'imagine, cool. parce que là, je t'entends parler, j'imagine que euh, dans la restauration, bien, dans n'importe quel commerce, mais avec la COVID, j'imagine que la plupart des employés, ils doivent avoir le moral à terre. Là. Tu sais, je veux dire, euh, ouais. ça, ça doit dire, ça doit être le, le jour et la nuit de, de ce que vous vivez d'habitude. Que j'imagine ouais. quelqu'un qui est habitué d'un un serveur. Je veux dire, premièrement s'il travaille encore, il doit pas travailler fort. Là. Ben, c'est juste complètement différent. Autant le savoir qu'un cuisinier qui est, qui est habitué d'être dans le rush, surtout où -ce que nous on est, on est vraiment habitué de carburer. On, on carbure à l'adrénaline là-bas. Là, ouais. là, on est tout le temps, tout le temps dans le rush. Fait là, c'est. un rush qui est complètement différent. il y en a un, puis c'est. C'est fou comment. C'est pas facile pour personne. Ah ouais. autant, autant les serveurs qui, là, qui se transforment un peu comme un espèce de caissier, Qu'un un gars de la cuisine qui est habitué de rouler, toute l'équipe, que là il se ramassent deux sur la ligne pour euh, un petit rush, dans, dans les heures de lunch, mais entre-temps, faut qu faut qu'ils qu qu viennent à bas de trouver de la job. Faut qu'ils viennent... Faut qu'eux... Se trouve de quoi pour s'occuper, tandis que d'habitude, c'est le contrat. Oh, ouais. C'est le pub qui est le monstre qui arrive, que là, t tu fais ce que tu peux, t'en as à bout, l'autre arrive, la ben il, hein. euh, il y a un côté financier à ça. Quelqu'un, un serveur, quand c'est le rush, on s'entend que lui, il, il voit le type, mais là, que c'est du. Tu mais pour, surprenamment, ouais. le monde laisse beaucoup plus de pourboire que ce que j'ai ah, pensé. Ouais, ah, ouais. Je pense qu'ils sont au courant de la situation. qui encourage encouragent. Parce que je me mettais, moi, mettons, dans cette position-là, à temps normal. Le resto roule. Si tu commandes un take-out, tu, tu vas être bien moins porté à laisser un pour boire. Moi, que la personne t'a fait vraiment un bel accueil, puis elle avait un sourire dans la face, puis elle était donc contente de vivre, puis d'être là, que ça, ça a détendu sur moi, puis que j'avais le goût de laisser un pour boire. Mais c'était ta fenêtre pour réussir à aller chercher du type, elle n'est pas, pas grosse. Oh, ouais. <laughs> un gros cinq minutes le temps que tu viens de chercher ton take-out. <laughs> ça, c'est un, un service complet. Ouais. Que là, tu développes développement, une petite relation avec ton serveur, tu as, as beaucoup plus de chances d'aller chercher du pourboire. De... Il y a une, une bien plus grosse raison associée au pourboire que tu vas laisser. Tu fais que tu étais assis tout le long comme un roi à attendre ta nourriture, puis à, à te plaindre que ton verre d'eau il est, il est pas plein. De, fait que là, là, ton type, c'est ouais. plus facile d'entendre une meilleure raison d'en laisser. Ouais. Mais, mais je pense que là, les gens comprennent la situation. Ouais, t'sais. Ouais. Comme même moi, quand je vais chercher du take-out à cette avant, si je serais allé dans, dans un restaurant, comme je dis, à moi que la feuille m'a fait un de quoi euh, un accueil exceptionnel pour le peu de temps que j'étais là. J'en ai arrêté de laisser, mais je vais être plus porté à pas à laisser. J'ai ouais. pas eu de service relié à ça, c'est moi qui s'est dépassé, je suis venu chercher, je m'en vais. Ouais. Qu'un service au tableau complet. Mais, mais... reste que tu es à l'heure actuelle, quand tu vas chercher du take-out, il y a quand même un, euh, une énergie que tu dis dans ta tête euh, quand tu y vas. C'est quand même pour aider, là, tu sais. C'est ça. Puis non seulement, c'est parce que là, t'aides le restaurant en achetant ta, ta nourriture, ouais. mais là, tu vas aider aussi la personne qui est là en laissant du pourboire, exact. qui d'habitude, elle a un salaire qui est comme en fonction du fait qu'elle a du pourboire. Mm -hmm. OK, oui, là, ça serait peut-être pas le même salaire peut-être qu'elle va monter au salaire minimum au lieu du salaire minimum à pourboire, ouais. mais il reste que c'est même pas proche de ce qui c'est supposé, ce qu'elle fait d'habitude. OK, de... parce que les personnes qui sont euh, en ce moment, exemple, qui étaient serveurs, étaient salaire à pourboire, mais là, en ce moment... Rendu du salaire minimum. Oui, parce que le salaire à pourboire est de 10$, ouais. 10 je pense. Okay. Puis, euh, de l'heure, 10$ et 10, quelque chose de même. Il est euh, plus bas que le salaire minimum. Oui, exactement. Puis là, versus que le salaire minimum ouais, tu as 13$ et 10$. Mais je ne savais pas qu'exemple la... qui avait changé de. Ben oui, ben ça, ça c'était une décision de l'entreprise de dire check, tu rentres là, le moins qu'on peut faire, c'est au moins. Oh, ouais pour qu'elle soit un peu un petit incitatif aux gens de venir travailler versus d'aller voir les aides du gouvernement. Oui, ah, c'est vrai que la PCU, puis tout. La, dans le temps de la PCU, c'était un enfant, là, on essaie de rappeler euh, du monde pour venir travailler parce qu'on ouvrait, il y en a qui disaient ben, ouais, « je fais rien et j'ai 2000 par mois ». C'est ça exactement, c'est plus avantageux de rester là. Oh, ouais. C'est juste pour rendre ça un peu plus attrayant aussi de, de venir est... travailler. Ben, Est-ce que vous avez trouvé ça dur, durant l'exemple ben c'était avec la PCU? Est-ce que vous avez vraiment vu un clash de euh, « notre monde n'est pas voulu » Ils n'ont pas voulu revenir travailler à cause de la PCE? Euh, oui. Ouais. Ça dépend de quel poste. Ouais. Il y a des postes que, évidemment, les gens, savoir à... côté service, non. Les ouais. gens, surtout, qui peuvent revenir travailler, ils travailler parce qu'à la charge qu'on a, qu a c'était vraiment plus avantageux de venir travailler. Mais, putain, un cuisinier qui travaillait en partiel ou quoi que ce soit, c'était plus top d'aller chercher lui, qui se disait Je fais autant. C'est peut-être un peu moins que ce que je ferais d'habitude, mais je fais rien. <laughs> C'était là qu'il était un peu plus tough. C'est là, là. que. Tu sais, la COVID a vraiment été dure de A à Z. Mm -hmm. Puis là encore, là, mais pour les employeurs, c'est un gros défi. Oui, non, non, c'est fou. Côté ressources humaines, déjà que le côté financier était tough, en plus, il faut que un, un aspect ressources humaines là-dedans. Ouais. C'était ouais, ça n'a pas été facile. Puis à ta connaissance, là, je suis. C'est une question euh, un peu touchée, mais à ta connaissance, est-ce que tu, tu crois que euh, le gouvernement, que ce soit québécois ou euh, canadien, ils en font assez pour les, euh, les, euh, les, les, les restaurateurs? Ben. Au moins, ils ont mis de quoi en place assez rapidement. C'est pas vraiment moi qui s'occupe de ce côté-là d'aller faire les demandes, tout ça. C'est plus la propriétaire qui s'en occupe, mais de ce que je crois comprendre, je pense que c'est. Le procédé, c'est pas le plus facile, ou ils prennent pas assez en compte, mettons. Ils vont regarder peut-être juste les ventes, les ventes qui étaient faites, comparer les ventes, mais ils ne vont pas regarder les dépenses liées à ces ventes-là, parce que Dieu sait que dans le domaine de la restauration, la marge de profit est très moindre. Fait que Ça prend beaucoup de dépenses pour engendrer ces profits-là. C'est un côté qui se sera un peu fermé les yeux, où je comprends que ça va être difficile de. de ça prend beaucoup de temps d'argent et de monde de regarder vraiment plus en profondeur. Ils ont peut-être essayé de faire une formule qui est plus générale, mais nous, de notre côté, ça nous a vraiment fait mal parce que on avait... L'année passée, au même moment, parce qu'ils vont comparer tes deux années. Okay. Au même moment l'année passée, on n'avait pas les lofts encore, on n'avait pas la boutique. L'entreprise n'avait pas. Ce qu'elle a aujourd'hui. Elle n'était pas à sa pleine capacité d'aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, un an plus tard, on a, tout, on a toutes les lofts qui ont été construits, qui étaient un revenu de plus. On a, tout, on a, on a installé une boutique aussi, qui était un revenu de plus. Ça fait que, ça, ça, eux, ils regardent le revenu de, de, la, de la compagnie mère. Mm -hmm. Ils prennent pas en considération que tu as, as investi, puis tu as acheté. Puis ils prennent pas en okay. considération non plus qu'il y a, y a Différentes branches qui se sont faites bien plus frapper que d'autres, Il ne okay. faut pas regarder juste l'entreprise en tant que telle, mais vraiment l'ensemble, ça, ça nous a fait mal aussi, okay. Parce que le pub en tant que tel, si tu regardes pandémie versus pas pandémie au même moment de l'année, c'est astronomique la différence, là, mm -hmm. Mais là, si tu regardes tout l'ensemble, ça a l'air un peu moins pire. Fait en tout cas. Fait que moi de mon côté, je pense que c'est le côté où que je vois que ça, ça a fait peut-être un peu plus. Dans le sens que ça, ça. Vu que euh, le Chelsea Pub, comme tu me dis, c'est c'est un, une grosse entreprise qui fait pas juste c'est pas juste le Chelsea Pub c'est plein de secteurs le Chelsea Pub app appartient au, à la compagnie de gestion Chelsea Square sauf que le gouvernement lui il voit il voit tout ça il est pas capable de diviser juste non, les revenus quand de on, quand on applique c'est au nom du Chelsea Square oh. et non du. juste pub. au Chelsea Pub ouais ok fait que, ouais. Fait que ça, ça, vous, ça peut vous nuire ça nous ouais. ouais. a ok puis là euh, pour finir euh, J'aimerais ça savoir, euh... non, en ce moment, t'as quel âge, Isaac? J'ai 28. 28 ans. J'aimerais ça savoir, euh, c'est quoi tes objectifs de carrière dans le domaine de l'administration, le domaine euh, des affaires? Euh, comment, tu... c'est où tu te vois, exemple, dans 10 ans, c'est quoi tes objectifs les, les, les plus fous dans, dans le domaine des affaires? Ben, j'ai tout le temps rêvé d'avoir ma place, j'ai tout le temps rêvé d'être en affaires euh, à mon nom. C'est sûr que, présentement... J'adore ma job, j'adore l'équipe avec qui je travaille, j'adore la vision de la propriétaire où est-ce qu'on s'en va en expansion. J'ai l'impression que je participe à de quoi qui est déjà gros, mais qui est petit versus ce qui va être dans pas long. Mm -hmm. Je suis très vraiment présentement, j'apprends, c'est fou à quel point j'apprends. Euh, fait c'est difficile de dire, je sais pas dans 10 ans où est-ce que je vais me trouver, c'est sûr que... Je suis tombé en amour avec la gestion, avec tout ça. C'est sûr que je me vois dans, 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 dans ce domaine Je ne sais pas encore si t'sais, la restauration, c'est de quoi que je vais vouloir être dedans à long terme. Je trippe. J'adore ça. Je ne vois pas le temps passer. J'ai jamais regardé ma montre quand la place était ouverte. Surtout ce que je suis présentement. Je suis vraiment heureux. Euh, fait, que Je pense que c'est la vie qui va me mener où est-ce que je vais je sais, Je sais vraiment pas. C'est sûr que. À long terme, à un point de vue long terme, j'aimerais ça. C'est sûr, de devenir investisseur, d'investir, de, 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 de Mais pour se rendre là, ça prend de l'argent. Fait que là, de là, je veux-tu rester où ce que je suis? Je veux-tu prendre une échelle partir un business qui qui va peut-être me rendre là un peu plus rapidement. Vraiment, ça, c'est juste le, le petit Jésus qui le sait en ce moment, mais c'est sûr que je, je vois grand. Je pense que je suis à, 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 même pas en première marche, où est-ce que je veux me rendre okay. éventuellement. Mais la seule chose que je sais, c'est que présentement, je suis bien où -ce que je suis. Euh, J'apprends tous les jours. Je suis pas prêt de partir de là. Fait on verra, on verra où -ce que ça va mener tout ça, sur le long terme. Mais euh, ouais. All right. Puis si je te dis, tantôt, on a parlé un peu de ton parcours sportif. On a, dit, on a vu, c'était quoi ton plus gros défi, puis ta période la plus sombre du sport? mais si mettons, on dit c'est quoi ton ta période où que as eu le plus de difficultés en affaires ce serait quoi en affaires euh, ben je me suis jamais vraiment parti ben j'ai eu le projet là je ouais. mais euh, mais reste quand même que le fait de d'avoir arrêté ce projet là euh... ben je te dirais mettons, là si, si on parle plus de genre gestion là ouais. que parce que c'est vraiment proche de si ça arrêtait ma, ma place. C'est sûr qu'il mm -hmm. y a d'autres décisions qui auraient ré, venu en compte, mais juste de gérer une place de la faire rouler. De, mm -hmm. Je pense que la plus grosse claque d'en face que j'ai eue, c'était vraiment le côté ressources humaines. Okay. À quel point j'avais un peu négligé ce côté-là quand j'étais à l'université. Mm -hmm. À quel point j'ai réalisé que la main-d'œuvre, c'est le cœur de ta business. Là, quand tu fait que c'est fou à quel point c'est important, puis à ce temps je comprends pourquoi il y a des postes dans les entreprises qui sont sont liés que à la gestion de ton staff, c'est fou à quel point c'est beaucoup, surtout ben, à un point de vue où tu as une équipe qui roule, t'sais, on est quand même une, une centaine d'employés plus là-bas, là fait que c'est là que ça, ça, ça vaut tout son en mort, ce département-là, rendu là, là puis c'est de la gestion, c'est bien de la gestion, là, Puis c'est de la gestion qui s'ajoute à ce que tu as déjà à faire en temps normal, fait que toutes les petits concours, toutes l'employé du mois, toutes ces petites choses là que tu penses ça a tellement l'air banal mais de le mettre sur pied quand tu es rendu là pour de vrai, ah, je OK. pense c'est là que j'ai réalisé que j'avais négligé la le poids de tout ça je te dis. Oh ok parfait. Puis si je te dis c'est quoi ton meilleur coup en affaires? Uh... Hmm. À date je te dirais ça a été de quitter ce que j'avais commencé, le projet qu'on parlait, pour ouais. prendre la job de directeur. Parce que là, c'est la première fois que, c'est fou à quel point je pensais, j'étais prête. Puis que là, de le vivre pour vrai, je réalise à quel point je n'étais pas. Okay. <laughs> puis que j'apprends. Puis là, je, je suis chapeauté par du monde, que ça fait beaucoup d'années qu'ils le font. Puis ouais. Je passe. Je passe par le chemin, je tourne pas les coins ronds. Je vais oh, ouais. par le chemin au complet en ce moment, puis j'apprends. C'est fou à quel point j'apprends. Fait je pense que ça, ça a été de, de commencer par apprendre avant de me lancer par moi-même. Mm -hmm. c'est ouais, ça c'est un move que je suis vraiment content d'avoir fait, maintenant dans le fond, c'est d'avoir choisi, exemple, l'apprentissage, je peux pas penser que es où tu es au-dessus de tout. Exactement. j'en ai encore à apprendre. J'ai vécu l'école, mais là. A... Je pensais donc que j'avais tout vécu, ben je exact. pensais donc que j'étais prêt. je pensais mm -hmm. donc qu'il n'y avait plus rien que la vie pouvait me montrer. Oh, ouais. Puis que là, quand je suis tombé dans le vrai monde, faire. Tu sais, avoir quelqu'un qui a des attentes envers toi, des, 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 des billes à payer, t'as certains objectifs à accomplir, de le vivre en vrai pour vrai, puis d'être à la tête de la chose. Là. Oh, ouais. Puis c'est toi qu'on pointe quand ça va pas bien, mm -hmm. puis c'est toi qu'on pointe quand ça va bien aussi, mais tu de, 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 il des défis de se pas... responsabiliser là-dedans puis oh, de venir ouais. à bout. Là, oh, ouais. Il y a des défis que tu vois pas quand tu es à l'école puis il y a des défis que, dans la vie de tous les jours, tu n'imagines même pas quand tu es à l'école. Ah non. Oh, non, non. Zéro bonbon. Oh, ouais. C'est tellement beau sur le papier des fois puis c'est tellement, ça a tellement facile. Mm -hmm. C'est tellement... C'est donc logique. Mm -hmm. Mais c'est fou quand tu arrives dans la vraie vie à quel point ce n'est pas tout le monde qui a la même logique, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon, c'est pas tout le monde qui a son gros bon sens, c'est le même. Mm -hmm. À quel point il faut que tu expliques tout de A à Z des fois que tu ne penserais pas que tu devrais. En tout cas, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage en ce moment. Puis je trip À tous les jours, je sais De voir que je m'emmène de mieux en mieux, de meilleur en oh. meilleur dans ce côté-là. Mm -hmm. Je ne vois pas le temps passer. T'sais. All right. Ben, euh, merci d'être venu. Ben, merci euh, de m'avoir invité. J'ai ouais. pris le temps euh, qu'on se un peu. c'est cool. Je suis vraiment content de t'avoir euh, reçu, euh, Isaac. Puis euh, ben, je te souhaite le meilleur pour. Euh, avec le Chelsea Pub, puis en affaires. C'est sûr. Euh... Merci. Je te yes. souhaite la meilleure pour tes podcasts. C'était le fun de podcaster. J'avais jamais fait ça. C'est cool. Ouais, bon, C'est cool. Hein? <laughs>